Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième édition des Nano Stories. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ce soir derrière vos écrans d'ordinateur pour partager avec vous une soirée riche en émotions. Ce soir, cinq chercheurs vont se succéder sur scène pour nous faire partager leurs secrets dans le domaine des émotions. S'en suivra un temps lors duquel vous pourrez poser vos questions et interagir avec nos orateurs, alors restez connectés. Au cœur des passions, depuis toujours, il y a seulement quelques dizaines d'années que les émotions ont suscité l'intérêt des neurosciences, donnant naissance à ce que l'on appelle les neurosciences affectives. Les émotions, longtemps considérées comme des non-sciences, comme une entrave à la raison, sont en fait essentielles à son bon fonctionnement. En leur absence, comment nous comportons-nous? Les émotions sont bien l'essence même de ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants. Mais comment sont-elles générées par notre cerveau? Sommes-nous les seuls à pouvoir les détecter, les ressentir? Comment influencent-elles nos comportements et nos actions? Autant de questions passionnantes auxquelles nous intervenons pour répondre tout au long de la soirée. Pour commencer, j'aimerais que nous fassions une expérience tous ensemble. Fermons les yeux. Prenons quelques instants pour réfléchir à ce que nous ressentons. Quelles émotions nous traversent? Il est très peu probable que là, tout de suite, à l'instant T, nous ressentions tous la même chose. Moi, par exemple, devant la caméra, je suis heureuse mais un peu stressée, alors que vous, confortablement installée chez vous, vous êtes sûrement plus calme, plus serein. Mais êtes-vous sûr que tous les spectateurs ressentent la même chose? Est-ce dû à nos personnalités différentes? À nos passés différents? Y a-t-il quelque chose dans notre cerveau pour expliquer cela? Pour répondre à ces questions, accueillons notre premier intervenant, Jean-Baptiste Pavani. Jean-Baptiste est maître de conférences au Centre de recherche en psychologie de la communication, du langage et de l'émotion à Aix-en-Provence. Il étudie le lien entre émotion et comportement. À la source de nos émotions, Jean-Baptiste Pavani. Les liens de Sadan avec nos émotions, les origines de Sadan. Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer avec une petite histoire. Cette histoire est celle d'un jeune homme appelé Alex. Ce jeune homme, il se trouve qu'il a un petit faible pour l'une de ses collègues de travail, Léa. Alors Alex, évidemment, il aimerait aller parler à Léa, l'inviter à sortir, mais il hésite. Au fait, il est un peu paralysé, pris dans une sorte de dilemme. Ce dilemme, c'est que d'un côté, quand il pense à la possibilité d'avoir Léa comme copine, des émotions positives se déclenchent en lui et il sent dans son corps comme si quelque chose le poussait à aller lui parler. Mais très vite, il pense aussi à l'embarras qu'il ressentirait si jamais elle refusait, et quand il pense à de tels risques, là ce sont des émotions négatives qui se déclenchent en lui, et là il sent au contraire comme si dans son corps, quelque chose le poussait à ne rien faire, à s'inhiber. Et de cette manière, Alex, alternant entre l'imagination d'événements positifs et d'événements négatifs, peut réfléchir pendant des heures à cette situation sans au final ne jamais prendre aucune décision. Alors cette histoire, un brin anecdotique, est malgré tout importante pour moi car elle peut nous amener à nous poser la question « Mais qu'est-ce que je ferais moi ?» D'ailleurs, de manière plus générale, dans ma vie, si j'y réfléchis, quand je suis confronté à de tels dilemmes, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je prends le risque ou non? Ces dilemmes sont en effet assez courants et dans nos vies, ils peuvent, que sais-je, arriver au travail. D'un côté, j'ai vraiment envie de changer de vie, mais d'un autre, je crains de me bercer de l'illusion que l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Ces dilemmes peuvent aussi concerner des sujets plus graves. D'un côté, j'ai vraiment envie d'arrêter l'alcool, mais d'un autre, je meurs de peur de ne jamais trouver autre chose qui me déstressera autant. Alors, ce que les scientifiques qui étudient ces sujets observent étonnamment, c'est l'existence de grandes différences d'une personne à l'autre dans la manière de faire face à ces dilemmes. Certaines personnes sont particulièrement partantes pour prendre le risque. Elles ne le font pas toujours, mais elles le font plus souvent que les autres. D'autres personnes, au contraire, sont particulièrement partantes pour ne rien faire, pour s'inhiber. D'autres personnes encore, plus fluctuantes, se situent entre ces deux extrêmes. Eh bien, c'est cela. Les liens de ça avec nos émotions, les origines de cela dans le cerveau, dont je veux vous parler aujourd'hui. Première chose qui est importante à connaître d'après moi,
et que pour les scientifiques travaillant aujourd'hui sur les émotions, eh bien, l'ensemble des éléments qui ont le pouvoir de générer en nous des émotions se rangent dans deux catégories. Il y a d'une part les récompenses qui génèrent des émotions positives et d'autre part les punitions qui en génèrent des négatives. Sans même nous en rendre compte, nous scannerions en permanence notre environnement à la recherche de récompenses à approcher ou de punitions à éviter, à fuir. Alors pour commencer par elles, les récompenses, qu'est-ce que c'est? Bien à peu près ça. Bien sûr, quelques éléments de notre environnement, comme un peu d'argent ou des vacances au soleil, sont plaisants pour la quasi-totalité d'entre nous. Mais plus généralement, une récompense, c'est n'importe quel élément qu'une personne peut percevoir dans son environnement et qui, pour cette personne, signale qu'elle est en train de progresser ou d'atteindre l'un de ses buts. Par exemple, pour Alex, un sourire de Léa s'il lui parlait ou le fait qu'elle accepte sa proposition seraient des récompenses. Si de tels événements survenaient, qu'il les percevait, alors des émotions positives se déclencheraient en lui. Une punition, au contraire, c'est n'importe quel élément qu'une personne peut percevoir dans son environnement et qui, pour elle, signale qu'elle est en train de régresser ou d'échouer dans l'atteinte de l'un de ses buts. Pour Alex, un froncement de sourcils de Léa s'il lui parlait ou un refus de sa part seraient des punitions. Si de tels événements obstacles à ses buts survenaient, là ce seraient des émotions négatives qui se déclencheraient en lui. En bref, nous êtres humains, mais aussi la plupart des animaux, seraient ainsi. Nous possédons deux systèmes capables de détecter automatiquement si dans notre environnement il y a des éléments qui sont en accord avec nos buts, les récompenses, ou des éléments qui en sont des obstacles, les punitions. Quand nous percevons des récompenses, nous éprouvons des émotions plaisantes, nous donnant envie d'approcher ces récompenses. Quand au contraire, nous percevons des punitions, nous éprouvons des émotions douloureuses, nous donnant envie de faire cesser ces punitions, notamment par la fuite. Ces deux systèmes dont je vous parle, capables de détecter récompenses ou punitions et de générer en conséquence des émotions et des comportements, bien, il est fascinant de noter qu'ils ont une réalité physique. Ils sont visibles, ils sont palpables, ils le sont dans notre cerveau, non seulement dans celui des êtres humains, mais aussi dans celui de nombreux animaux, et notamment de tous les mammifères. Le système capable de détecter les récompenses, les chercheurs en neurosciences, pour commencer par lui, ils lui ont donné un nom complexe, celui de circuit méso-cortico-limbique de la dopamine. Bien heureusement, ils lui ont aussi donné un nom plus simple, qui est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est celui de circuit cérébral de la récompense. Alors mon objectif à moi, il ne va pas être de décrire en détail toutes les zones du cerveau reliées les unes aux autres et qui composent ce circuit. En revanche, il y a une chose qui me paraît intéressante, qu'une substance chimique, un messager entre les neurones, est particulièrement important dans ce circuit. C'est la dopamine. La dopamine, vous la connaissez peut-être, c'est cette substance qui se libère principalement dans le cerveau d'une personne quand cette personne consomme des drogues excitantes, comme la cocaïne ou des amphétamines. Les effets bien connus de ces drogues, augmentation des émotions positives, du désir de s'engager dans toutes sortes d'activités, de son affirmation de soi aussi, reposent sur le fait que ces drogues stimulent le circuit cérébral de la récompense en libérant de la dopamine dans certaines zones du cerveau. Et d'ailleurs, certains chercheurs en neurosciences arrivent à reproduire ce phénomène expérimentalement en laboratoire en libérant de la dopamine dans certaines zones du cerveau de rats et de souris avec des méthodes non douloureuses. Ces animaux, avec un circuit cérébral de la récompense stimulé de cette manière, finissent par présenter des comportements de désir amplifié, d'excitation amplifiée, finalement assez comparables à ceux d'êtres humains sous cocaïne ou amphétamine. A l'inverse, la détection de punitions dans son environnement, le déclenchement d'émotions négatives, de comportements d'évitement, lui se fait grâce à un système qui se superpose en partie au premier, mais qui s'en différencie aussi un peu, qui est le circuit cérébral de la punition. Cette fois-ci, la substance chimique, le messager entre les neurones, l'un des plus importants en tous les cas, c'est la sérotonine. Les scientifiques connaissent bien la sérotonine parce que c'est cette substance qui se libère principalement dans le cerveau d'une personne quand elle prend des
anxiolytiques ou des antidépresseurs, en tout cas certains d'entre eux, et certains de ceux qui sont les plus performants actuellement. Si vous voulez, les personnes les plus dépressives et les plus anxieuses se caractérisent par un circuit cérébral de la punition particulièrement fortement activé. Ce sont des personnes qui voient des punitions un peu partout, même quand en réalité il n'en existe pas. Si vous voulez, il est assez commun, par exemple, pour une personne en dépression, de se percevoir comme laide, inapte, incompétente, même quand en réalité, elle ne l'est pas plus que n'importe qui. Et certains de nos anxiolytiques et antidépresseurs actuels, alors sans remplacer une psychothérapie, mais même parfois en facilitant l'engagement dans une psychothérapie, eh bien arrivent, en augmentant la concentration de la sérotonine dans certaines zones du cerveau, à atténuer le fonctionnement du circuit cérébral de la punition chez certaines personnes, ce qui se traduit chez ces personnes par moins de pensées négatives, moins d'émotions négatives. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec Alex ? Qu'est-ce que, de manière plus générale, ça a à voir avec les différences qui existent entre nous dans la réaction au dilemme dont on parlait tout à l'heure ? Eh bien, il se trouve que les scientifiques ont découvert que le circuit cérébral de la récompense, comme le circuit cérébral de la punition d'ailleurs, ne s'active pas de la même manière chez nous tous. En fait, soit parce que des zones du cerveau sont plus volumineuses chez certaines personnes, soit parce que des groupes de neurones sont plus actifs chez ces personnes, eh bien, certaines personnes ont un circuit cérébral de la récompense ou de la punition plus activé que les autres. Et les différences dont je vous parle là sont durables en partie. Aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, ce sont en partie les mêmes personnes qui auront le circuit cérébral de la récompense ou de la punition le plus activé. Et ça, bien que ça se passe dans le cerveau, ben ça a des conséquences sur la personnalité propre de chacun de nous. Voilà par exemple les caractéristiques, les traits de personnalité caractéristiques des personnes qui ont un circuit cérébral de la récompense particulièrement fortement activé. Vous voyez, ça contient des éléments d'émotion positive, des éléments d'ordre social. Il se trouve que les chercheurs sur la personnalité dont je fais partie appellent ce regroupement de traits extraversion. Eh bien, dans notre équipe de recherche, nous avons montré que les personnes qui avaient un haut niveau sur cette personnalité sont celles qui, dans les dilemmes dont on parlait tout à l'heure, ont le plus de chances de prendre le risque. Ce sont des personnes qui, globalement, sont plus motivées par l'idée d'approcher une récompense, d'approcher un événement positif, que par l'idée d'éviter une punition, d'éviter un danger, d'éviter une menace. Si Alex présentait une telle personnalité, ben, il serait allé parler à Léa depuis assez longtemps. À l'inverse, voilà les traits de personnalité caractéristiques des personnes qui ont un circuit cérébral de la punition particulièrement fortement activé. Cette fois-ci, les chercheurs sur la personnalité appellent ce regroupement névrosisme ou instabilité émotionnelle. Ben, les personnes qui ont un haut niveau sur cette personnalité sont cette fois-ci celles qui, dans les dilemmes dont on parlait tout à l'heure, ont le plus de chances de ne rien faire, de s'inhiber. Ce sont des personnes qui sont globalement plus motivées par l'idée de ne rien faire, d'éviter des dangers, d'éviter des menaces, d'éviter des événements négatifs, que par l'idée d'approcher quelque chose de positif. Alex, avec son circuit cérébral de la punition légèrement plus activé que son circuit cérébral de la récompense, présente une telle personnalité. Alors en conclusion, j'aimerais malgré tout qu'on s'accorde sur un dernier point, c'est que ce n'est pas parce que je vous ai dit que le circuit cérébral de la récompense et de la punition qui s'observe dans le cerveau ont un effet sur nos comportements quotidiens, que cela veut dire que 100% de nos comportements quotidiens sont déterminés par des facteurs biologiques et donc génétiques et donc innés. Non. Notre cerveau a une influence sur nos comportements quotidiens, comme en retour nos comportements quotidiens ont une influence sur ce qu'il se passe à l'intérieur de notre cerveau. En particulier, notre histoire de vie, les événements les plus précoces de cette histoire, les événements qui se répètent le plus, aussi la manière dont nous avons agi pendant ces événements, tout ça a une influence sur la structure, mais aussi le fonctionnement de notre cerveau. Il est par exemple assez connu que des événements traumatiques précoces, négligence, maltraitance, rejet, ont tendance à activer durablement
le circuit cérébral de la punition des gens qui les vivent. De même que des événements positifs précoces, comme des relations satisfaisantes avec ses camarades de classe, ses tout premiers camarades de classe, eh bien, ont tendance à activer durablement le circuit cérébral de la récompense. Malgré tout, pour moi, ces circuits sont importants à connaître parce qu'ils incarnent bien la difficulté que l'on peut avoir quand on change, quand on essaie en tous les cas, de changer sa personnalité, pour ceux qui veulent essayer. D'un côté, on pourrait croire qu'il suffit de le vouloir pour le pouvoir, que les personnes en dépression n'ont qu'à se bouger, que si Alex le voulait vraiment, il serait allé parler à Léa depuis longtemps. D'ailleurs, nous, dans notre équipe de recherche, on a mis en place des programmes de développement personnel qui marchent en partie, et j'espère bien qu'Alex acceptera d'en suivre quelques-uns. Mais de même que vous imaginez assez facilement que la structure physique de notre cerveau ne se change pas en quelques jours, et comme d'ailleurs un sportif ou un musicien d'élite répète sans cesse les mêmes mouvements pour progresser, eh bien un changement que nous souhaitons dans notre personnalité aura tendance à nous demander patience et persévérance pour être mené à bien. Merci Jean-Baptiste, nous te retrouvons tout à l'heure sur le live. Ainsi donc, si certains d'entre nous ressentaient de la joie tout à l'heure lorsque je leur ai demandé de fermer les yeux, alors que d'autres ressentaient de l'indifférence, voire de l'ennui, c'est que la structure et le fonctionnement de nos cerveaux diffèrent, ce qui entraîne des réactions variées. Mais éloignons-nous un instant d'Homo sapiens. Qu'en est-il des autres espèces ? Les animaux, par exemple, sont-ils capables de ressentir les émotions ? Les mêmes émotions que nous ? Sommes-nous, nous humains, capables de les comprendre et d'étudier leurs ressentis émotionnels ? Pendant très longtemps, peut-être même aujourd'hui encore, l'homme a pensé que sa sensibilité le distinguait des animaux. Notre deuxième intervenante de la soirée, Marie Montand, est maître de conférence au laboratoire de psychologie cognitive à Marseille. Elle cherche à comprendre en quoi les moyens de communication des animaux diffèrent du langage humain. Malheureusement, Marie ne peut être parmi nous ce soir. C'est donc Laure Tosato, doctorante au sein du même laboratoire, qui nous fait l'honneur d'être sa porte-parole ce soir. Animal, quelles sont tes émotions ? Lu par Laure Tosato. L'animal est un organisme hétérotrophe. L'animal n'est qu'une machine. Une machine perfectionnée, certes, mais une machine. Il n'y a pas de différence fondamentale entre un automate et un animal, entre une horloge et un animal. L'un comme l'autre est composé de pièces mécaniques et de ressorts. Ça, c'est ce que dit Descartes. Pour le philosophe, l'animal n'a ni âme ni raison. Il n'a pas de pensée. Il réagit automatiquement à des stimuli. S'il hurle lorsqu'on le frappe, ce n'est pas parce qu'il souffre, non. C'est une réaction automatique. Cette théorie de l'animal-machine a laissé des traces. Et ce qu'il en reste aujourd'hui dans les inconscients semble être à l'origine de l'objectification des animaux non humains que l'on rencontre parfois, par exemple dans les élevages. Ainsi, la question est la suivante. L'animal est-il un objet ? Non. L'animal est-il une personne ? Non plus. L'animal est un organisme hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il fabrique sa propre matière organique à partir de la matière organique d'autres êtres vivants. Je suis donc par définition un animal, et non une plante. Mouche, ma chienne, est également un animal. Vous êtes des animaux, vous tous et toutes ici. Vous êtes des animaux humains, Homo sapiens. Mouche est un animal canin, Canis lupus familiaris. Aujourd'hui, les animaux humains sont considérés comme des personnes, juridiquement, tandis que les animaux non humains sont juridiquement considérés comme des biens. Ce sont des objets qui peuvent être achetés et utilisés. Les personnes, elles ne peuvent plus être achetées et utilisées. En 2015, les animaux ont été requalifiés. Ce sont désormais des êtres vivants doués de sensibilité. Juridiquement parlant, la reconnaissance de cette sensibilité les protège contre certains sévices. Ils sont protégés au regard de la loi, mais ils restent des objets. Il y a donc une différence
entre les humains et les non-humains. Au regard du droit, les humains et les animaux sont différents, mais ce sont tous deux des êtres sensibles. Tous deux sont équipés d'un équipement nerveux qui leur permet d'être heureux, d'être malheureux, d'avoir peur ou d'avoir mal. Ainsi, ce qui nous rassemble, c'est le ressenti émotionnel. Oui, mais, et les mouches? Les mouches, elles, ne sont pas protégées. On peut leur arracher les ailes sans craindre des poursuites. Pourtant, ce sont des êtres sensibles, au sens où elles sont équipées, comme nous, de nocicepteurs, les récepteurs à la douleur. Elles ont mal lorsqu'on leur arrache les ailes. En revanche, mouche, ma chienne, est protégée. Pourquoi? Quelle différence entre une mouche et mouche? Mouche est un mammifère, comme vous, comme moi. Elle a des poils, des mamelles, un squelette interne et un cerveau comme nous tous ici. Une mouche, Musca domestica, est poilue, oui, mais elle n'a pas de poils. Ce sont des soies sensorielles. Son squelette est externe. Elle n'a pas de cerveau, elle a des ganglions cérébroïdes. Donc on peut lui arracher les ailes. Pareil pour les vers de terre que l'on peut découper en rondelles, les méduses que l'on peut transformer en gelées, ou encore les étoiles de mer auxquelles on peut arracher les bras pour voir s'ils repoussent. Peut-on faire la même chose avec les poulpes? Non. Les poulpes sont protégés. Pourtant, ils ne nous ressemblent pas beaucoup d'un point de vue morphologique et on ne connaît pas beaucoup de choses de leur ressenti émotionnel. Oui, mais ils peuvent prédire les résultats des matchs de foot. En tout cas, c'est ce qu'a fait Paul le Poulpe, l'oracle d'Oberhausen, pendant de nombreuses années et avec beaucoup de succès. Plus sérieusement, les poulpes sont protégés parce qu'ils peuvent, comme nous, résoudre des problèmes complexes. Ils peuvent ouvrir un bocal, s'orienter dans un labyrinthe ou reproduire un comportement par imitation en un seul essai. Leur statut juridique particulier est dû à leur capacité cognitive hors norme parmi les invertébrés. Autrement dit, la protection dont bénéficie la plupart des espèces repose sur deux critères, le ressenti émotionnel et la proximité cognitive avec les humains. Plus le répertoire comportemental d'une espèce est complexe et proche de celui de l'humain, plus elle aura de chances d'être protégée et de bénéficier d'un statut plus proche de celui de la personne que de celui de l'objet. Pour pouvoir décider quelles espèces protéger, il faut donc avoir une idée de leurs univers mentaux, sensibles et cognitifs. Mais comment faire pour savoir ce que ressent une chèvre ou un marsouin? Comment évaluer leur capacité cognitive? C'est un sujet très complexe qui illustre parfaitement la question du philosophe américain Thomas Nagel. What is it like to be a bat? Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? Qu'est-ce que ça fait de s'orienter la nuit avec l'écho de ses propres ultrasons? Ou bien qu'est-ce que ça fait de chasser le calamar par 2000 mètres au fond des océans, là où la pression est de 200 bars et où votre cœur bat à 2 pulsations minute? Qu'est-ce que ça fait d'être un poulpe avec 40 millions de récepteurs tactiles et chimiques par bras? Et comment les sentez-vous, ces bras, recouverts d'une peau ultra sensible et sans os? Y avez-vous déjà songé? Comment donc aborder l'univers mental des autres animaux? Plusieurs pistes. Tout d'abord, il y a la biologie de l'évolution. La théorie de l'évolution nous enseigne que la nature est conservatrice. Mouche et moi sommes partiellement poilus parce que les poils offrent une solution efficace à la régulation de la température corporelle. Les poils sont une plésiomorphie, c'est-à-dire un caractère hérité d'un ancêtre commun à tous les mammifères. En dressant la liste des caractères communs entre les espèces, on peut avoir une idée de leur ressemblance à l'égard de l'évolution. Sans surprise, nous sommes plus proches des chimpanzés que des chiens. Notre dernier ancêtre commun avec les chimpanzés remonte à 7 millions d'années, contre 93 millions pour les chiens. Une autre piste est celle de l'anatomie comparée. Si les cerveaux de deux espèces se ressemblent en volume et en morphologie, et si ces deux espèces vivent dans des environnements similaires, il est fort probable qu'ils aient des capacités cognitives comparables. C'est le cas par exemple des babouins olives et des macaques rhésus. C'est moins le cas des lapins de Garenne et des requins du Groenland. Même si ces deux espèces ont des cerveaux d'une douzaine de grammes, leur écologie et leur morphologie sont trop éloignées pour que leur cerveau fonctionne de manière similaire.
En ce qui concerne les émotions, l'anatomie comparée a amené des découvertes intéressantes. Les structures cérébrales en charge des émotions ont très peu changé au cours de l'évolution, contrairement à d'autres structures comme les hémisphères cérébraux. Cela corrobore sur le plan anatomique une observation formulée par Darwin en 1872. Il y a quelque chose d'universel dans le ressenti émotionnel. Autrement dit, si une espèce est dotée d'un cerveau, elle est douée d'émotions. Ça ne veut pas dire que tous les animaux ressentent les mêmes émotions. La question du ressenti précis des émotions pour chaque espèce reste un sujet ouvert et difficile d'accès. Une dernière piste, celle que nous empruntons au laboratoire de psychologie cognitive dans l'équipe cognition comparée, consiste à étudier le partage cognitif entre les espèces. Plus précisément, entre les babouins et les humains. Nous travaillons en particulier sur le langage, la faculté mentale qui est le plus souvent présentée comme nous séparant des autres animaux. Vous serez d'accord avec moi pour dire que cette faculté n'est pas apparue à partir de rien. Il doit y avoir, chez les autres primates, des composants élémentaires constitutifs du langage hérités d'un ancêtre commun. Avec la cognition comparée, aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir ce qui nous distingue, nous, humains, des autres espèces, mais ce qui nous rassemble. Et les résultats sont surprenants. Dans la plupart des cas, lorsque nous cherchons chez un primate un composant cognitif initialement étiqueté comme spécifiquement humain, on le trouve. Une équipe située à Rennes, puis une autre en Suisse, ont ainsi montré que même la syntaxe qui est présentée comme la caractéristique spécifiquement humaine était présente dans les vocalisations de certains singes. En conclusion, je voudrais insister sur un point contrariant. Pour savoir à quoi ressemblent les univers mentaux et émotionnels des autres animaux, la procédure consiste à comparer ces univers aux nôtres. Autrement dit, notre compréhension de l'altérité se fait sur la base d'un unique référentiel, nous-mêmes. Nous cherchons chez les autres animaux des caractéristiques observées chez l'humain. Or, il est probable, voire très probable, que les univers mentaux des autres animaux soient riches et différents des nôtres. Je mets ma main à couper que l'univers mental des cachalots et des poulpes nous échappe complètement. Nous y sommes aveugles, à cause de notre équipement cognitif qui nous empêche d'adopter un autre point de vue que le nôtre. Ou bien, peut-être, ne le voulons-nous tout simplement pas. Merci Laure. Nous te retrouvons avec Julie et Yannick pour répondre aux questions des internautes. Alors, si nous n'arrivons pas à comprendre les émotions des autres, peut-on nous les recréer? Si je vous dis Wall-E, vous savez, ce petit robot qui continue à compacter les détritus d'une planète Terre à l'abandon et qui tombe amoureux d'une jolie sonde robotisée Eve. Est-ce que la science va rattraper la fiction et réussir à créer un Wall-E? Les robots seront-ils doués d'émotions? Et si cela arrivait, comment interagirions-nous avec eux? Pour parler de ce passionnant sujet, accueillons Thierry Chaminade. Thierry est chercheur CNRS à l'Institut de neurosciences de la Timone. Il s'intéresse aux bases cérébrales des interactions homme-robot avec l'objectif, peut-être un jour, d'améliorer les compétences sociales des robots humanoïdes. Robot, tu m'aimes, moi non plus, Thierry Chaminade. Je suis tellement heureux. Je vous en prie. Dave, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez, Dave. J'ai peur, Dave. Ce robot, à la fois mon ami et mon outil de travail, a rejoué une célèbre réplique du film 2001, l'Odyssée de l'espace, dans lequel une machine, Hal, a peur. Dans les films, les robots peuvent avoir des émotions, c'est sûr. Mais c'est du cinéma, on sait bien comment ça marche. Dans la vraie vie, les machines peuvent-elles vraiment avoir des émotions? Il existe une branche de l'informatique affective, qui développe des machines dont le but est de détecter ou d'exprimer les émotions humaines. La détection d'émotions marche parfaitement grâce aux avancées de l'apprentissage automatique, que ce soit sur les visages ou sur les voix. Je l'utilise dans mes recherches pour mesurer le type et l'intensité des émotions qui sont exprimées par des mimiques faciales.
Elle est aussi utilisée en neuromarketing pour voir les réactions émotionnelles à un nouveau produit ou à une nouvelle publicité. La reconnaissance des émotions est prête à faire son apparition dans nos poches, sur nos portables. Le problème, ce n'est pas la technologie. Le problème, c'est nous. Vous avez envie, vous, que votre téléphone lise vos émotions sur votre visage et dans votre voix et l'envoie à l'autre bout du monde pour détecter vos émotions? Il suffit de voir l'empressement que nous avons eu à télécharger les applications pour lutter contre le Covid, dont l'intérêt était quand même un peu plus évident, pour en douter. Mais nous sommes presque pareils, tous les deux. Tu ne veux pas être mon ami? Ah, pourquoi pas? Voilà une vraie question, mon ami ou ma machine? Mon collègue ou mon robot? C'est vrai quoi? À la fin, tu es quoi pour moi? Encore une fois, la science-fiction nous apporte des éléments de réponse. Les robots peuvent servir de soldats, vous savez, ceux qui reviennent du futur pour sauver la Terre. Ou la détruire, selon les épisodes. Ils peuvent aussi remplacer la police. La plupart du temps, ils sont au service des humains, pour porter leur sac, ou pour les soutenir émotionnellement. Vous vous souvenez de ce petit robot mignon qui comble des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Jusqu'au jour où ils en ont un et qu'ils le jettent à la poubelle. Je me permets une petite digression. Ces robots humanoïdes ne sont pas prêts d'envahir nos chaumières, pour une raison simple. Il ne s'agit pas d'émotions ou d'intelligence. Il s'agit tout simplement qu'aujourd'hui, un robot capable de marcher et d'ouvrir une porte en toute sécurité, ça coûte des millions. D'ailleurs, même les militaires l'ont compris. Ils ne cherchent plus à avoir des soldats humanoïdes. Ils préfèrent avoir des petits chiens à quatre pattes qui sont beaucoup plus utiles pour porter des charges sur les terrains d'opération. Mais revenons à nos moutons. Électriques, bien sûr, les moutons auxquels rêvent les androïdes. S'ils rêvent, et rien n'est moins sûr. Eh oui, car la question se pose. Les robots rêvent-ils? Pensent-ils? Ont-ils des émotions? Dans notre jargon, on parle d'états mentaux. Qu'il s'agisse des croyances, des envies, des désirs, des émotions, etc., etc., etc. Et ces états mentaux sont ancrés dans un substrat biologique, notre corps et notre cerveau, qui sont le fruit de 500 millions d'années d'évolution depuis l'apparition des premiers animaux. Et les robots n'ont pas ce substrat biologique. Et on ne sait pas recréer un substrat biologique. Moralité, les robots ne peuvent pas avoir des états mentaux tels qu'ils sont définis pour les humains. Comme leur intelligence, leur émotion doit être artificielle. Mais j'ai des émotions, moi. Pas vraiment. Tu vois, c'est vrai. Tu peux exprimer des émotions, il suffit que je contrôle bien ta voix et les mouvements de ton visage pour reproduire la prosodie et les mimiques pour que tu exprimes la colère, comme tu viens de le faire, ou la joie. Mais est-ce que tu la ressens? Non. D'ailleurs, je peux te faire dire n'importe quoi. Je suis tellement heureux. Tu vois, tellement. C'est bien moi qui te contrôle. Heureux. Et c'est bien utile pour mes recherches. Car en fin de compte, voici à quoi ont servi et servent encore les robots humanoïdes. À la recherche scientifique. Historiquement, les premiers robots ont été développés dans les années 1980 par Honda, qui a créé le premier robot bipède autonome, Asimo, en l'an 2000. Mon mentor, Mitsuo Kawato, explique la démarche comme ceci. On comprend le cerveau en créant un cerveau. Si on crée un robot qui peut marcher comme un humain, alors on a compris comment notre cerveau contrôle la marche, qu'il s'agisse des boucles réflexes, d'éviter les obstacles ou de résister à des perturbations. D'ailleurs, c'est la même approche qui définit l'intelligence artificielle. Le fameux test de Turing définit une machine comme intelligente si, lorsque vous discutez par écrit avec elle, vous n'êtes pas capable de dire s'il s'agit d'un humain ou d'un robot. En d'autres termes, que le robot reproduit exactement la conversation humaine. Ce test, proposé dans les années 1950 par le génial mathématicien Alan Turing, n'a toujours pas été passé avec succès
aujourd'hui. Maintenant qu'il est acquis que les robots n'ont pas d'état mental comme les humains, et qu'il faut donc les reproduire de manière artificielle, nous pouvons nous poser la question inverse. Et nous, quelles émotions on a envers les robots? Dans mes recherches, j'utilise les robots pour étudier les interactions sociales. Avec leur apparence, ils peuvent produire des comportements humains et donc reproduire en apparence au moins une conversation qui semble naturelle. Et en plus, je peux lui faire faire ce que je veux. Et de manière reproductible, avec toutes les personnes. C'est un outil formidable pour étudier la cognition sociale. Mais de l'autre côté, les robots restent des machines, c'est-à-dire quelque chose qui n'est clairement pas humain, un objet. Comment ces informations contradictoires, apparence humaine, mais vraies machines, influent sur notre empathie pour les robots? Cette question n'est pas encore tranchée, mais elle est d'une importance capitale pour le futur de la robotique personnelle. Et le seul moyen de mesurer de manière objective comment nous, humains, interagissons avec les robots, c'est d'utiliser des variables physiologiques, celles qui ne peuvent pas mentir. C'est d'ailleurs la base du détecteur de mensonges. Mais j'ai un outil beaucoup plus puissant, l'imagerie cérébrale. Elle permet d'enregistrer l'activité du cerveau pour avoir des informations sur ce que les gens pensent. Et je l'ai récemment testé sur des situations d'interaction entre humains et robots. Dans une première expérience, les participants jouaient à feuille, pierre, ciseaux, soit avec moi, soit avec un robot doué d'intelligence artificielle. En fait, ils jouaient contre le même algorithme à chaque fois. Mais la réponse dans leur cerveau a montré que eux ne jouaient pas de la même manière en fonction de l'adversaire qu'ils pensaient avoir. En particulier, deux régions étaient plus activées lorsqu'ils jouaient avec un humain que lorsqu'ils jouaient avec un robot. Il s'agit d'une part de la jonction temporo-pariétale droite au niveau du cortex, qui est une région qui est activée lorsqu'on manipule les états mentaux, ceux dont je vous ai parlé précédemment, les états mentaux de soi ou d'autrui. Je vais y revenir plus tard. La deuxième région est un noyau profond, l'hypothalamus, qui participe à l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre physico-chimique du corps, en sécrétant des hormones. Et parmi ces hormones, il en sécrète une, l'ocytocine, qui est connue pour intervenir dans le lien mère-enfant, mais surtout plus généralement chez l'humain, dans le lien social. On parle d'ailleurs de col social pour cette hormone. Bref, on a un noyau, l'hypothalamus, qui sécrète une hormone, l'ocytocine, qui participe au lien social, qui est plus actif quand on interagit avec un humain que quand on interagit avec un robot. D'ailleurs, l'hypothalamus n'est actif ni pour l'humain ni pour le robot lorsque ce sont des participants autistes qui font la même expérience. Donc, même si peut-être que les autistes préfèrent interagir avec des robots, on ne pourra pas parler de lien social. Mais nous sommes encore dans des expériences de laboratoire où tout est contraint, figé, contrôlé, encadré. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. Dans ma discipline, en cognition sociale, on essaye de plus en plus de reproduire des situations d'interaction naturelles. Et j'ai donc fait une expérience pour étudier l'activité cérébrale selon que l'on discute avec moi ou avec mon ami robot ici présent. Tout à fait, Thierry. Et devinez, on retrouve encore des différences dans l'hypothalamus, qui s'active plus quand on parle avec moi qu'avec lui, et dans la jonction temporo-pariétale droite. Cette fois, c'est sûr. Interagir avec un robot ne conduit pas à un lien social comparable à interagir avec un humain. Mais quelque part, on s'en doutait. Il y a plusieurs dizaines d'années déjà, le philosophe américain Daniel Dennett proposa qu'on attribue des états mentaux lorsqu'on fait face à un individu rationnel. On dit qu'on adopte une posture intentionnelle. Il dit aussi qu'on adopte une posture plus mécanique quand on fait face à une machine. Effectivement, notre cerveau n'utilise pas les mêmes régions selon qu'on interagit avec un robot ou avec un humain. Il n'y a qu'avec l'humain
qu'on retrouve des marqueurs du lien social et de l'attribution d'états mentaux. Si c'est vraiment le cas, si vraiment on ne ressent rien envers ces machines, peut-on vraiment être sûr que les robots sortiront un jour des laboratoires pour entrer dans nos chaumières? Rien n'est moins sûr. Désolé le robot, pas trop déçu j'espère. Un peu déçu quand même, mais en fait, non, tu as raison. Je peux exprimer, mais je ne ressens rien. Je ne peux pas être déçu. Merci Thierry. Nous te retrouvons toi aussi à la fin des présentations. Et merci de nous avoir rassurés. Nous ne connaîtrons donc probablement jamais le scénario catastrophe, vous savez, celui dans lequel les robots doués d'émotions tentent de prendre le contrôle de la planète après des années d'oppression. Mais ces robots, sont-ils les seuls à ne pas connaître les émotions? Que se passe-t-il lorsque ces dernières sont absentes chez l'homme? Ou à l'inverse, que se passe-t-il lorsque les émotions nous submergent? Vincent Bréjard est psychologue et maître de conférences au laboratoire de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse. Il étudie le rôle des troubles émotionnels dans les conduites à risque et les addictions. Émotions, êtes-vous là? Vincent Bréjard. C'est ce que l'on nomme en psychopathologie, l'âne et l'ours. C'est l'histoire d'un premier rendez-vous entre un homme et une femme dans un bar. Le verre. Il boit d'un trait, le repose, le regarde. Il ne montre rien, aucune émotion, ne dit rien. Elle regarde le verre, un peu inquiète, regarde à nouveau le verre être bu et reposé sur la table. Alors, il peut lui parler. Lui, c'est Jackson. Elle, c'est Ali. En 2018, le film A Star Is Born raconte l'histoire de deux artistes et de leur relation. Ou plutôt, l'histoire d'un homme dont les émotions sont tour à tour présentes ou absentes. Trop présentes. Et pour qu'il est caché, l'alcool, la drogue, viennent remplir l'espace mental de sensations ou au contraire faire baisser les émotions trop intenses. Les émotions, drôle de truc quand même. Nous les ressentons comme quelque chose qui nous appartient, qui nous est propre, mais aussi fréquemment qui nous échappe. Ainsi en va-t-il de nos expériences que les émotions colorent en plus ou moins d'agréables, désagréables. Mais elles ont, ces émotions, une fonction bien précise. Nous aider à nous adapter à notre environnement. Bref, survivre. Par exemple, si un fou nous fonce dessus en voiture, eh bien nous allons automatiquement ressentir de la peur, de la surprise. Et en fonction de cette sensation, de cette émotion, eh bien nous allons soit réaliser un pas de côté, soit au contraire rester figés, paralysés. Et peut-être le véhicule va nous éviter. En tout cas, c'est la même chose qui se passe pour les animaux, puisque quand ils se sentent menacés, eh bien ils vont ou rester immobiles et attendre que le danger passe, ou au contraire, fuir. Donc on peut dire que les émotions nous aide à mieux nous adapter à notre environnement. Mais que se passe-t-il quand ces émotions sont perturbées dans l'expérience que nous en avons? Eh bien, deux exemples existent dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. L'un est l'anhédonie et l'autre est l'alexithymie. Et pourquoi en fait est-ce que j'ai envie de vous parler de cela aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que ces deux émotions, ces deux perturbations de l'émotion sont rencontrées précisément chez des personnes qui ont une addiction. Pour certaines personnes, en effet, l'expérience émotionnelle ne va pas faire l'objet de la même modalité que pour d'autres. Certains parmi nous vont être dans l'incapacité de ressentir du plaisir. C'est ce que l'on nomme en psychopathologie l'anhédonie. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, à Noël, l'atmosphère, les couleurs, vertes, rouges, dorées, dans la pièce, le sapin, l'odeur de résine, et au pied de ce sapin, des cadeaux dont certains portent votre prénom. Vous vous précipitez alors avec émerveillement pour ouvrir l'un d'entre eux. Entre le moment où vous ouvrez les cadeaux et le moment où vous ressentez cet émerveillement, peut-être qu'un certain nombre d'émotions vous traversent.
De la surprise, de la joie, un peu d'inquiétude. Qu'est-ce que l'on m'a bien pu m'offrir? Et si, au lieu de cela, vous ne ressentiez rien? Ou alors une vague sensation de tension dans la poitrine ou de malaise? On est d'accord que votre réaction ou vos comportements en seraient profondément perturbés. Ce qui se passe alors peut être compris de la manière suivante. Dans un environnement particulier, ou alors face à un événement spécifique, une succession d'étapes se déclenche pour aboutir à l'émotion. Tout d'abord, il y a la perception d'éléments de l'environnement. Ensuite, il y a l'évaluation de ce qui se passe dans l'environnement. Et ensuite, le déclenchement d'une cognition, c'est-à-dire d'une pensée. Et enfin, cette pensée va déclencher l'émotion. L'émotion, en fait, c'est la synchronisation de plusieurs domaines. Les sensations physiologiques, c'est-à-dire l'aspect neurovégétatif, les éléments corticaux, c'est-à-dire en fait la représentation que l'on va avoir de cette émotion, et enfin la conscience de celle-ci. Et il arrive parfois que ce mécanisme qui va du neurovégétatif vers le cognitif se trouve perturbé. L'émotion ne va donc pas ici être accessible pleinement à la conscience. Et c'est ce que démontrent d'ailleurs les travaux du professeur Lane à l'Université d'Arizona. En fait, ce chercheur et enseignant a montré qu'il existait différents niveaux de conscience de l'émotion, allant de la sensation quasi physiologique jusqu'à des émotions complexes combinées entre elles, en passant par différents niveaux de complexité. En particulier, lorsque un processus pathologique intervient et que les émotions en restent à leur niveau de sensation, il peut être alors tentant d'essayer de les supprimer ou de les contrôler dans leur intensité, en particulier en utilisant une drogue ou un produit. Vous l'avez d'ailleurs déjà probablement expérimenté à votre niveau. Lorsque, par exemple, après une journée de travail importante, avec beaucoup de tension, des émotions agréables ou désagréables, eh bien, en arrivant chez vous, il est possible, voire probable, que vous ayez eu envie de vous ouvrir une petite bouteille ou de vous verser un verre de vin. Eh bien, il s'agissait alors pour vous de tenter de faire disparaître les sensations, la sensation de tension, ou au contraire de prolonger un état positif. C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs dans certaines scènes de films ou de séries où vous avez les personnages qui, après une longue journée de travail, se retrouvent autour d'un verre où il s'agit pour eux, en fait, par exemple, de débriefer ou en tout cas de faire retomber la tension. Eh bien, ils utilisent alors l'alcool comme un moyen de réduire le niveau des sensations de tension interne. Dans un autre contexte, nous avons démontré, il y a quelque temps déjà, que lorsque des adolescents ou des adultes ont des difficultés dans l'identification, la description et la reconnaissance de leurs émotions, eh bien, ils ont tendance à s'engager dans des comportements à risque ou de consommation de substances. Car ceux-ci vont venir générer des sensations en lieu et place d'émotions qui ne sont pas conscientes et de ce fait qui manquent au sujet. La prise de conscience est alors ainsi évitée. Et si des personnes boivent, consomment tel ou tel produit, eh bien c'est probablement pour deux raisons. À la fois supprimer la représentation même que quelque chose leur manque, ou au contraire remplacer par des sensations physiques, corporelles, des sensations qu'ils ne peuvent pas contrôler. Pour le dire autrement, tout se passe comme si l'information émotionnelle ne parvenait pas à monter des sensations neurophysiologiques au cortex, et donc ne pouvait pas faire l'objet d'une élaboration consciente de l'expérience. Et c'est ce que l'on appelle alors l'alexithymie. Mais quel élément pourrait expliquer ce fonctionnement? Eh bien, une partie des travaux que nous menons dans notre équipe, en collaboration avec un centre de soins spécialisé en addictologie à Marseille, la clinique Saint-Barnabé, vise à montrer que l'anxiété est l'un des facteurs les plus importants dans la désorganisation et la décomposition de l'expérience émotionnelle. De ce fait, le sujet n'a plus alors accès à la totalité de son expérience. Il n'en reste qu'à une expérience de ressenti qu'il s'agit alors de faire disparaître ou de contrôler. C'est une tentative en fait d'adaptation qui se passe alors par le recours au produit. Mais ce qui se passe aussi, c'est que à ce moment-là, le produit court-circuite la relation qui existe entre, d'une part, les sensations, cette composante-là de l'émotion, et le comportement qui serait supposé
y être associé. Bref, la place est libre pour la désinhibition, la perte de contrôle. Et effectivement, c'est ce qui va se passer dans le film dont je parlais tout à l'heure. Au début, par exemple, Jackson, lorsqu'il est comme cela posé, figé, eh bien, il n'a d'autre solution que de consommer de l'alcool pour essayer de réguler l'état dans lequel il est mis par le fait de se retrouver en présence d'Ali. À un autre moment dans le film, Ali reçoit une récompense. Elle est aux Grammy Awards et elle passe un moment d'exception, presque d'émerveillement. Elle est sur scène, elle regarde le public, elle remercie tour à tour les différentes personnes qui ont contribué à son ascension et à son succès. Jackson, lui, est assis à côté de la scène. Il marmonne, il est ivre. Et quand elle arrive à la fin de ses remerciements, il murmure, il bafouille, « ça y est, t'as gagné ?» Et il essaie de comprendre peut-être qu'il doit y aller. Et alors il dit « ah bah, on m'appelle, j'y vais alors. » Et il monte alors sur scène, titubant. Il arrive à côté d'Ali, fait le tour de la chanteuse, en titubant et en traînant les pieds. Et puis s'arrête à côté d'elle et finit par uriner dans son pantalon. L'émotion s'écoule le long de sa jambe. Et à ce moment-là, on peut identifier le problème qu'a Jackson. Les problèmes, devrais-je dire. Parce qu'il en a deux. D'une part, il a des difficultés à supporter les sensations qu'il ressent dans certains contextes. Et le deuxième, en fait, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler ses sensations. L'alcool, alors, vient lui donner l'illusion que ce contrôle est possible, sauf qu'à moyen terme, eh bien, c'est précisément l'alcool, ça pourrait être d'autres produits, qui prend progressivement le contrôle de son corps et puis de sa vie. Et cette situation-là, eh bien, c'est quelque chose qui, potentiellement, peut ne pas rester familière à un certain nombre d'entre nous. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation et à tout à l'heure pour la séance questions-réponses. Les émotions sont donc essentielles au bon fonctionnement des individus. Et contrairement aux pensées des anciens, émotions et raison sont en fait les deux facettes d'une même pièce. Mais du coup, est-ce qu'il est possible de modifier, de développer ces émotions afin d'optimiser au maximum nos performances ? Notre dernier intervenant de la soirée, Guillaume Martinin, est maître de conférence au Laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport à Lyon. Ses travaux de recherche visent à comprendre et utiliser les émotions dans le sport. Utiliser au mieux nos émotions serait donc une piste pour optimiser nos performances. Gagner grâce à son intelligence émotionnelle, Guillaume Martinin. Les sportifs et sportives de haut niveau se sont invités dans la vie de Monsieur Tout-le-Monde tellement leurs performances sont médiatisées aux yeux du grand public. Laure Manaudou crée la sensation en étant la première femme championne olympique française à Athènes sur 400 mètres nage libre. Julien Alaphilippe gagne la deuxième étape du Tour de France et prend par là même le maillot jaune. L'Olympique lyonnais crée la sensation en étant la première équipe féminine à remporter 5 fois d'affilée la Ligue des Champions. Pour arriver à de telles performances, les sportifs et sportives de haut niveau s'astreignent à des entraînements intensifs. Ainsi, tous les paramètres de la performance sont scrutés par des experts pour tenter de les optimiser. Des préparateurs physiques, des analystes tacticiens, des techniciens et des préparateurs mentaux qui cherchent à aider l'athlète à mieux réguler ses émotions le jour de la compétition. La régulation optimale des émotions le jour de la compétition et à l'approche de la compétition est un paramètre primordial de l'atteinte d'un haut niveau de performance. Et c'est ce paramètre qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi certains athlètes sont anxieux à l'approche de la compétition? Pourquoi d'autres ressentent plutôt de l'excitation ou de l'impatience d'en découdre? Pourquoi certains sont inhibés alors que d'autres se révèlent le jour J?
on peut se demander dans quelle mesure il est possible de réguler et d'ajuster ses émotions pour optimiser sa performance et son fonctionnement lors d'une situation stressante comme la compétition sportive. Nous sommes à la Coupe du monde de football en 2006. La France est en finale contre l'Italie, après avoir gagné la Coupe du monde en 1998. Zinedine Zidane, alors capitaine de l'équipe de France, joue son dernier match en tant que joueur professionnel. Et soudain, le public ne sait pas trop ce qui se passe, un coup de sifflet retentit. L'arbitre vient de mettre un carton rouge à Zinedine Zidane. On se rend compte, en revoyant les images, que Zinedine Zidane vient de mettre un coup de tête à Marco Materazzi, un joueur de l'équipe adverse. Le match va jusqu'à la prolongation et la France perd 5 tirs au but à 3. Il est fort à parier que le geste malheureux de Zizou a pesé lourd finalement dans la défaite de l'équipe de France. Cet événement, ô combien générateur d'émotions pour les millions de spectateurs et téléspectateurs, met en lumière le rôle central joué par les émotions et la régulation des émotions dans la production d'une performance, qu'elle soit sportive, scolaire ou professionnelle. Cet épisode illustre également à merveille le fait que les émotions font que la vie vaut la peine d'être vécue. Elles colorent et influencent toutes nos perceptions, et ce, sans que nous nous en rendions vraiment compte. Ainsi, les activités humaines, et en particulier les activités sportives, prennent tout leur sens justement parce qu'elles sont vécues par les individus au niveau émotionnel. Et ce n'est pas vraiment le niveau de pratique qui importe dans ce processus-là. Une fillette de 8 ans qui joue son premier match le dimanche matin en compétition de football va ressentir, ou peut ressentir, tout autant d'émotions qu'Amandine Henry, qui est capitaine de l'équipe de France de football et qui porte le brassard lors de la Coupe du monde de football en France en 2019. L'expérience d'une émotion intense de colère est probablement à l'origine du geste épidermique de Zizou qu'il n'a pas réussi à contrôler sur l'instant pendant le match. Au niveau scientifique, cela fait référence au concept d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle peut se définir comme la capacité de discriminer, reconnaître et réguler ses émotions et les émotions des autres. Dans les recherches que nous menons au sein du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport, à l'université Claude Bernard Lyon 1, nous avons montré notamment que les athlètes qui reportent des scores significativement plus élevés d'intelligence émotionnelle réalisent des performances significativement plus élevées et s'adaptent significativement mieux dans un environnement stressant, comme la compétition sportive. Pour rendre plus palpable ce concept d'intelligence émotionnelle, je vous propose de repartir avec notre icône nationale, Zizou, mais ce coup-ci dans des événements de vie un peu plus heureux. Finale de la Coupe du monde de football 1998 entre la France et le Brésil. Finale de la Ligue des champions 2002 entre le Bayer Leverkusen et le Real de Madrid. Au cours de la période d'échauffement, donc l'heure précédant, on va dire, le coup d'envoi du match, la pression monte. Zinedine Zidane ressent de l'anxiété à l'approche de la compétition au regard de l'incertitude du résultat et de l'importance du résultat. Et comment pourrait-il en être finalement autrement quand on connaît les enjeux considérables qu'il existe à l'heure actuelle pour les événements sportifs internationaux? Zizou repère aussi cette pression chez certains de ses coéquipiers et même de ses adversaires, en observant les comportements non-verbaux. Donc il observe, mais inconsciemment, leur posture, leur regard et également les expressions faciales. Pour réguler cette anxiété, Zizou se remet en tête les plans de jeu qui ont été répétés par l'entraîneur juste avant le début du match. Autrement dit, il recentre volontairement son attention sur les éléments pertinents de la situation pour éviter de laisser libre cours finalement à des pensées qui pourraient être contre-productives et négatives pour la performance. Pour ce faire, Zizou utilise ce qu'on appelle des routines pré-compétitives qui lui permettent de savoir à quoi penser et quoi faire finalement pendant la période d'avant-match. Grâce à ça,
Zizou perçoit son anxiété comme étant facilitante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se sert de son anxiété pour optimiser sa concentration et sa motivation à l'approche du match. Et ce sera particulièrement pertinent finalement pour réaliser de grandes performances. Il sera à chaque fois élu homme du match en étant buteur décisif. Mais revenons à la période d'échauffement. Zizou est leader technique des deux équipes, à la fois pour l'équipe de France et puis aussi dans son club pour le Real de Madrid. Donc par rapport à ça, il communique avec les athlètes, avec ses collègues, avec qui il décèle une certaine anxiété à l'approche de la compétition. Ça peut être une petite tape sur l'épaule pour signifier que l'équipe fera front ensemble, un simple regard, ou alors, pourquoi pas, une discussion un peu plus approfondie. Et lorsque Zizou croise le regard d'un joueur de l'équipe adverse, il montre un regard affirmé et déterminé pour bien signifier à l'adversaire que c'est son équipe qui va l'emporter. Tous ces petits détails témoignent bien de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, appelée aussi par certains auteurs la compétence ou les compétences émotionnelles, renvoie à un ensemble de capacités, d'habiletés et de connaissances qui sont mobilisées dans l'action par les athlètes pour faire face à des situations qui sont génératrices d'émotions, et donc notamment des situations à fort enjeu comme la compétition sportive. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'intelligence émotionnelle détermine également avec quel bonheur nous utilisons nos autres capacités, nos capacités cognitives ou alors nos capacités motrices. Ce concept d'intelligence émotionnelle remet finalement en cause la thèse de René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle. Pour Descartes, il conviendrait de séparer d'un côté les émotions et donc les passions, et puis d'un autre côté, les cognitions et donc les pensées. On voit bien finalement que l'avant-match que j'ai pu vous décrire de Zizou remet largement en cause les thèses de Descartes. On sait ainsi à l'heure actuelle, et les travaux scientifiques le montrent bien, que les émotions facilitent l'adaptation et vont nous permettre finalement d'optimiser le niveau de performance et notre fonctionnement dans une situation, particulièrement en situation stressante. Les travaux scientifiques sur l'intelligence émotionnelle montrent également qu'il existe des différences de niveau d'intelligence émotionnelle entre les individus. Certains individus vont montrer des niveaux élevés d'intelligence émotionnelle, alors que d'autres auront des niveaux relativement faibles. Et ce qui est encore plus important, c'est finalement que ce niveau d'intelligence émotionnelle est malléable. Autrement dit, on peut entraîner ou augmenter son niveau d'intelligence émotionnelle. Et donc, il est possible de développer ses compétences émotionnelles pour optimiser sa performance, notamment dans des situations à fort enjeu. Dans les recherches que nous menons au sein du laboratoire, nous testons et développons des programmes de développement de l'intelligence émotionnelle qui ont pour but, finalement, d'accompagner les athlètes à mieux faire face aux situations stressantes. Ces programmes se centrent principalement sur des athlètes en centre d'entraînement intensif, donc des jeunes athlètes en Pôle France ou en centre de formation, et les programmes sont également à destination des entraîneurs. Ils visent à apprendre à vivre avec ses émotions pour optimiser finalement ses ressources, que ce soit dans le quotidien de l'entraînement sportif ou alors dans le cadre d'une compétition sportive. Donc cette démarche, de la part des athlètes ou des entraîneurs, va impliquer finalement une prise de conscience émotionnelle d'eux-mêmes, par un travail qui va être personnel. Autrement dit, il semble pertinent de prêter attention à ces émotions pour être capable de les discriminer, de les comprendre. Cette meilleure compréhension des émotions permettra ensuite finalement d'être capable de mieux les réguler, et ainsi de réaliser des meilleures performances et d'avoir une meilleure adaptation en situation stressante. Enfin, nos travaux de recherche soulignent également que l'intelligence émotionnelle est un facteur primordial du développement du bien-être. Autrement dit, si c'est intéressant et nous avons montré que l'intelligence émotionnelle développe les niveaux de performance des individus, il nous semble encore plus remarquable
d'identifier et de mettre en évidence que l'intelligence émotionnelle favorise la satisfaction de vie et le bien-être des individus. C'est d'autant plus important par rapport à notre population sportive que l'on sait qu'avec la recherche du haut niveau, et ben du coup tous les athlètes ne pourront pas atteindre cette recherche du haut niveau. Et donc, ce développement de l'intelligence émotionnelle est vraiment perçu à l'heure actuelle comme un développement d'habileté de vie qui permettent finalement aux sportifs et à tout individu de mieux faire face à une situation stressante, qu'elle soit sportive, scolaire, professionnelle ou alors personnelle. Nous remercions Guillaume, notre dernier participant, place maintenant aux causeries avec nos orateurs. Nous voilà maintenant tous ensemble pour les causeries. Donc vous êtes super nombreux à être connectés. Merci beaucoup, beaucoup de votre intérêt. Vraiment, ça fait chaud au cœur que ce genre d'événement de vulgarisation suscite encore autant d'intérêt. C'est top. Il y a déjà plein de questions qui ont été posées, des questions super intéressantes. C'est top, vous allez vraiment challenger nos orateurs, donc merci. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat en essayant de préciser le nom de l'orateur auquel la question s'adresse. Nous, on va essayer de répondre du coup, au maximum de vos questions. Après, pas de panique, si des questions n'ont pas de réponse, on va tout concentrer, on les transmettra à nos orateurs et une réponse sera donnée par écrit du coup, sur le site de neuro-marseille.org. Alors, on va commencer avec notre première question, une question super intéressante pour Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, première question. Est-il possible de stimuler notre circuit de la récompense positive et, ce faisant, progressivement diminuer celui de la punition ou des conceptions négatives? Bonsoir. Donc, oui, il est tout à fait possible de le stimuler. D'ailleurs, moi, mon domaine d'expertise, c'est moins les neurosciences que les interventions permettant aux gens d'apprendre à mieux réguler leurs émotions, et notamment leur régulation de leurs émotions positives. Et il y a même parfois de toutes petites techniques, de tout petits exercices. Pas que les émotions positives et que les pensées positives, en contrepartie, elles diminuent presque aussi intensément les émotions négatives et les pensées négatives. Alors la question, pour terminer, c'est celle de la durée de ces interventions, c'est la durée de l'effet de ces interventions, mais il y a pas mal d'études maintenant qui montrent qu'avec des exercices qu'on pratique, ne serait-ce que pendant une semaine, deux semaines, puis après qu'on laisse les gens pratiquer s'ils ont envie, on peut créer des changements pas extraordinaires, mais au moins de légers petits changements dans le sens que l'on souhaite et sur des durées assez longues de plusieurs années. Alors, super, merci Jean-Baptiste. Je pense qu'il y a eu un petit souci de son. Je te reposerai la question. Je vais poser une question à Vincent pour enchaîner, puis je te reposerai la question. Le petit souci de son a été réglé pour que nos internautes du coup, puissent du coup, entendre vos réponses. Donc en attendant, donc Vincent, une question pour toi. Est-ce que d'abord, avant de répondre, tu pourrais redéfinir ce que c'est l'alexie? Et ensuite, un peu dans la même veine que la première question, est-ce qu'une émotion, elle est innée ou bien elle peut s'apprendre, et notamment par mimétisme, est-ce qu'on peut apprendre une émotion? Alors, bonjour à toutes et tous. Première chose, effectivement, l'alexithymie, c'est l'absence de mots, littéralement, pour les émotions. De manière un petit peu plus complète, en fait, ça décrit un fonctionnement qui est caractérisé par la difficulté d'identifier, d'écrire, de reconnaître ces émotions
mais aussi par un mode de pensée cognitif qui porte son intérêt plutôt sur les faits concrets et sur l'extérieur au détriment en fait de ses ressentis et de son monde intérieur, si je puis dire. Et certains auteurs ont même mis l'accent sur un déficit de vie imaginaire et fantasmatique. Voilà, ça c'est pour la première partie de la question. Pour la seconde, je l'ai oublié, ça serait une bonne... Alors, est-ce qu'une émotion est innée ou bien est-ce qu'on peut l'apprendre et notamment par mimétisme? Alors, il y a deux... Merci Elodie du rappel, tu vois, parce que c'est l'émotion et la mémoire qui sont en jeu pour moi. Donc en fait, il y a des émotions en fait, qui sont dites, identifiées comme primaires. Notamment, par exemple, la joie, la peur, la colère, il y en a quelques autres. En général, les auteurs, les spécialistes, on dénombre entre 5 et 10. Et en fait, ces émotions primaires, elles sont retrouvées chez l'animal, elles auraient une fonction adaptative. Hein, et elles seraient acquises, hein, en tout cas, plutôt au fil du développement de l'espèce que acquises au cours du développement après la post-naissance, si je puis dire. Ensuite, effectivement, au fil du temps, l'être humain, puisque c'était ce qui nous intéressait ici, en tout cas dans mon intervention, le petit humain va apprendre progressivement à différencier, pour autant qu'on l'y accompagne, des états émotionnels de plus en plus fins, de plus en plus spécifiques et de plus en plus complexes. Et effectivement, c'est ce qui va faire qu'un enfant, au départ, va exprimer, par exemple, son malaise en disant, ou son inquiétude, ou en fait son état émotionnel, à partir de choses qui sont très corporelles. Par exemple, il va dire j'ai mal au ventre, j'ai une boule dans la gorge, je me sens pas bien. Et puis progressivement, il va acquérir la capacité à discriminer de plus en plus ses états internes et les émotions qu'il va à la fois ressentir mais aussi penser. Et effectivement, dans la conscience des émotions, je fais une petite parenthèse, il y a une petite zone du cerveau qui s'appelle le gyrus singulaire. Joue très probablement un rôle essentiel dans la prise de conscience de ces émotions. Et cette zone-là, bien évidemment, elle va impactée par le développement psycho-affectif et par le développement neurologique de l'enfant hein, tout au long de sa carrière d'être humain, en tout cas jusqu'à l'âge adulte. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Du coup, Jean-Baptiste, je reviens vers toi pour te... reposer la première question, parce que peut-être que tous nos internautes n'ont pas entendu les réponses. Donc, c'était est-ce qu'on peut stimuler en gros notre circuit de la récompense et du coup faire en même temps diminuer notre circuit de la punition? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis plus expert pour les programmes qui permettent d'améliorer les compétences à gérer ses émotions et donc à changer éventuellement le circuit neuronal que sur les neurosciences elles-mêmes. Il se trouve en effet qu'il existe des interventions permettant d'agir sur la fréquence avec laquelle on vit des pensées négatives ou des pensées positives, et donc aussi sur ces circuits. Ces interventions, ce n'est pas nécessairement de grandes thérapies, hein, ça peut être juste de petites activités. En psychologie positive, il est assez connu que des petites activités quotidiennes, comme chaque soir, se remémorer les trois bonnes choses qui nous sont arrivées dans la journée, les tourner dans notre esprit, les savourer. Si c'est pratiqué régulièrement, si ça fait sens aussi pour la personne de le pratiquer, eh bien, on peut en soi finir par produire des changements assez durables dans le fonctionnement psychologique de la personne, et donc, imaginons aussi dans sa biologie. Alors, pour répondre aussi à la deuxième partie de la question, oui, lorsqu'on utilise de telles petites techniques, même encore une fois, pas besoin de grandes interventions, de grandes thérapies, pour augmenter la fréquence des pensées négatives et donc de ces émotions négatives, des pensées positives et donc de ces émotions positives, eh bien, de la même manière, on arrive à réduire la fréquence des pensées négatives et des émotions négatives. Tout se passe comme si ces deux choses avaient tendance à bouger à peu près au même moment, pas toujours en même temps, mais environ en même temps. Et donc, effectivement, on arrive à jouer à la fois sur le circuit cérébral de la récompense et de la punition. Ok, super, merci. Je pense que ça a pu bien éclairer du coup nos spectateurs. On va changer un tout petit peu de domaine du coup et j'ai une question pour Julie. Donc déjà Julie, merci. Du coup, toi aussi, tu te fais la porte-parole de Marie Montand qui n'a pas pu malheureusement être parmi nous ce soir. Et donc la question
concernant les animaux. Donc, est-ce que les émotions des animaux sont-elles en concordance avec leur capacité cognitive? Alors, c'est très difficile d'y répondre à cette question, tout simplement parce qu'on sait pas forcément toujours, on n'a pas toujours une très bonne notion des capacités cognitives des animaux. On en sait encore très peu sur justement leur capacité cognitive, comme le disait Laure dans son interprétation du texte de Marie. En fait, c'est très compliqué d'avoir une évaluation de leur capacité cognitive et donc de ces émotions. Nous, ce que l'on sait faire en éthologie, c'est se référer aux composantes qui sont hyper liées aux moteurs liés aux émotions et à l'aspect physiologique. Donc, en fait, on va aller étudier plutôt le comportement des animaux en se référant à leur répertoire comportemental et à l'aspect physiologique qui découle en fait de ces émotions. Voilà, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à cette question. Oui, super, merci. Et oui, en gros, du coup, la pauvre mouche qui se fait traumatiser par les enfants assez régulièrement, je pense, à qui on arrache les ailes, peut-être qu'en fait, elle est super sensible. C'est juste très compliqué, du coup, pour nous de se mettre à sa place, si j'ai bien compris, et de pouvoir, savoir si vraiment elle ressent des émotions ou pas, quoi. Et je pense que... devrait peut-être l'être, du coup. Ouais. Merci beaucoup, Julie. Maintenant, une autre question super intéressante pour Guillaume. Donc, Guillaume qui nous a parlé de l'intelligence émotionnelle et le sport. Guillaume, penses-tu que, du coup, les bons athlètes sont ceux qui gèrent mieux leurs émotions? Alors, merci pour la question. Alors oui, je pense effectivement qu'il y a une corrélation très forte. Les résultats montrent finalement que ceux qui ont des régulations émotionnelles qui sont particulièrement efficaces, donc aussi bien à l'approche de la compétition, dans les heures précédant la compétition, que pendant la compétition, vont réaliser des performances significativement plus élevées. Et finalement, au-delà des compétences, on va dire techniques, tactiques ou physiques, qui sont relativement proches entre tous les athlètes quand on atteint un très bon niveau de pratique, bah c'est souvent la composante mentale qui va faire la différence, et notamment ce qui est en rapport avec la régulation des émotions. D'ailleurs, si on écoute même des retours d'athlètes ou d'entraîneurs, bah, ils mettent en évidence finalement que plus on monte en niveau de pratique, et plus ça va être la compétence à réguler notamment les émotions sur les moments importants, par exemple sur des Jeux Olympiques, des athlètes qui vont vivre finalement une compétition particulièrement importante avec une difficulté potentiellement à la gérer, bah, ceux qui vont la gérer au mieux seront capables de réaliser probablement des meilleures performances. Et les travaux scientifiques vont dans ce sens. Donc du coup, c'est un peu, si je rebondis, c'est un peu l'importance du coup de tout ce qui est préparation mentale. On en entend pas mal parler en ce moment, du coup. Donc c'est vraiment c'est l'importance de la préparation ça. Mentale pour ces athlètes. Oui, c'est vraiment ça, mettre en place. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas simplement un ou deux discours d'entraîneur juste avant le match qui va faire la différence. La préparation mentale, c'est une préparation qui se prépare dès l'entraînement. Et donc du coup, ça se met en place avec une véritable programmation des contenus d'entraînement. Et du coup, on peut commencer très tôt. Par exemple, Novak Djokovic explique assez souvent dans ses interviews qu'il a commencé à partir de 10 ou 12 ans avec sa préparatrice mentale et qu'il la suit encore à l'heure actuelle. Et du coup, c'est probablement pas un hasard s'il est capable d'être très fort dans les moments importants et du coup de faire la différence à ce moment-là. Bon, bah, on prend note pour nos prochaines compétitions sportives à notre petit niveau, du coup. Merci, Guillaume. J'ai maintenant une question pour Thierry. Donc Thierry qui nous a parlé des robots et de leur capacité du coup ou pas à avoir des émotions. Alors il y a deux questions dans une. Est-ce que les neurones miroirs s'activent de la même manière du coup face à un humain ou face à un robot? Et du coup peut-être qu'est-ce que sont les neurones miroirs? Thierry,
on t'entend très très mal. Si tu peux... Ouais, on t'entend de très loin. Si, je sais pas, si tu peux te rapprocher peut-être un tout petit peu. Et on n'entend toujours pas. C'est très très loin. Peut-être parler fort. Ça marche, mais de très loin, quoi. Alors, je pose une autre question, du coup, et je reviens vers toi. Je reviens vers toi juste après. Alors, j'ai une question, du coup, pour Vincent. Vincent, est-ce que les émotions peuvent être utilisées dans, du coup, les problèmes comportementaux et notamment les problèmes d'addiction? Est-ce qu'elles peuvent être utilisées? Alors, j'imagine, du coup, que... Donc, est-ce que, du coup, on peut utiliser nos émotions pour peut-être sortir de problèmes d'addiction et les utiliser dans le cadre des thérapies comportementales, sûrement, j'imagine? Alors, effectivement, plusieurs types de prise en charge psychothérapeutique, évidemment, peuvent contribuer à améliorer la capacité que l'individu va avoir à se représenter ses états émotionnels, et du coup pourront effectivement, d'une part, probablement l'aider dans un premier temps à accepter ses émotions, ce qui est une première étape, et ne plus chercher obligatoirement tout de suite à les faire disparaître ou à les remplacer par des sensations. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel, bien évidemment, les psychothérapeutes travaillent et interviennent. Alors, par exemple, même si ça reste pour le moment un petit peu discuté, notamment avec, par exemple, les TCC de troisième vague, la mindfulness ou les thérapies d'acceptation et d'engagement. Merci beaucoup. Alors, j'ai du coup une question un peu en lien pour Jean-Baptiste, et ensuite je reposerai la question à Thierry si son problème de micro a été arrangé. Du coup, Jean-Baptiste, une question assez intéressante pour toi. Quel lien fais-tu entre les neurosciences et la psychothérapie? Quel lien est-ce que je fais entre les neurosciences et la psychothérapie? Le lien, tout simplement, que je fais entre la psychologie et la psychothérapie, il semble simplement que notre fonctionnement psychologique possède des soubassements biologiques qui, sans être réductionnistes, doivent être tout à fait considérés. Hein, des lésions dans certaines parties de notre cerveau peuvent avoir des effets considérables sur notre capacité à raisonner de telle manière, sur notre capacité à nous souvenir de telle ou telle chose, sur notre capacité à réguler nos émotions. Un cas, même des cas très populaires ont été décrits par un certain psychiatre Damasio dans un livre fameux, où il montrait que des personnes qui avaient des lésions dans leur système cérébral, permettant de traiter des informations émotionnelles et d'éprouver des émotions émotionnelles, bien étaient des personnes qui finissaient par n'éprouver aucune émotion. Damasio parlait de vie émotionnelle plate. Et c'était des personnes qui, finalement, dans leur vie, avaient énormément de mal à prendre des décisions. Parce que quand on prend des décisions, les émotions nous aident. Une émotion négative associée à une décision qui nous vient à l'esprit nous dit « Oh non, c'est peut-être un peu risqué, je vais changer, je vais faire autre chose. » Et donc, effectivement, tout ce qui se passe dans notre cerveau peut avoir un effet sur notre fonctionnement psychologique, et la psychothérapie est simplement là pour nous aider à faire des changements dans notre fonctionnement psychologique quand celui-ci possède des aspects qui déplaisent, qu'on a envie de changer. Donc, neurosciences, l'étude des soubassements de notre fonctionnement psychologique et psychothérapie aident à changer notre fonctionnement psychologique, en tout cas une partie de celui-ci, quand celui-ci ne nous convient pas ou quand il ne nous sent pas en accord avec certaines de nos valeurs les plus profondes. Je te remercie pour ta réponse très claire. Thierry, du coup, on va réessayer si ton micro fonctionne mieux. J'essaye. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, bien sûr. Du coup, la question, c'était, déjà, qu'est-ce que les neurones miroirs? Et est-ce que les neurones miroirs s'activent de la même façon face à un humain et face à un robot? Eh bien, les neurones miroirs, ce sont des neurones qui répondent
On a vu qu'il y avait des différences. Les neurones miroirs s'activent pas de la même manière. C'est un mouvement qu'on observe par rapport à un miroir. Bon. Alors. On a encore eu quelques petits soucis du coup, mais on va t'appeler en off pour régler ça, pas de panique. Et bon, du coup, on était en train de parler un peu de neurones de base cérébrale. Je vais enchaîner avec une question. Allô, ça a coupé ? Désolé. Attends, du coup, Thierry, on t'entend encore ? Normalement, non. Si c'est un problème, c'est un problème d'Internet. Thierry, si tu peux couper ton micro, du coup, le temps que je pose... Ah, super, merci beaucoup. Et donc, du coup, j'ai une question pour Yannick. Donc, Yannick, qui, pareil, est un des porte-parole de Marie Montand, du coup, ce soir. La question super intéressante, du coup, de notre spectateur, c'est l'architecture cérébrale est-elle prise en compte afin de comparer les individus interespèces ? Oui, bonsoir tout le monde. D'abord, merci pour être là et merci Marie pour ce texte. Merci Paul-Laure de l'avoir présenté si bien. Donc oui, l'architecture cérébrale est prise en compte entre espèces éloignées et proches. Donc ce n'est pas que le comportement et l'anatomie qu'on compare. Et d'ailleurs, le cerveau est assez particulier parce que c'est un tissu mou qui ne fossilise pas. Donc si on veut comprendre l'histoire évolutionnaire, de prendre toutes les spécificités humaines qui sont proposées dans la littérature et de montrer qu'elles ne sont pas propres à l'humain et qu'elles sont partagées avec d'autres animaux. Bien sûr, le cerveau humain est différent aux autres espèces, mais c'est plus une question de degré et pas trop une question de nature, j'allais dire. Alors, j'espère ça a un peu répondu à la question. Très bien, merci beaucoup. Mais du coup, j'enchaîne avec une deuxième question. Pour la team animaux, du coup, Julie, est-ce que du coup, on ne ferait pas un peu trop d'anthropomorphisme quand on essaie d'étudier les émotions ou le comportement animal ? Est-ce que ça ne nous bloquerait pas du coup dans nos recherches peut-être de faire trop d'anthropomorphisme ? Alors oui, oui et non. En fait, on a longtemps redouté l'anthropomorphisme dans les études comportementales. Et oui, il faut éviter d'inférer des pensées qui sont parfois propres à l'homme en fait chez les animaux. Alors, par exemple, la mante religieuse n'est pas en train de prier lorsqu'elle lève ses pattes au ciel. Toujours est-il que, comme le disait Marie dans son texte, en fait, il faut se rappeler que les humains sont également des animaux. On est construit sur la même base. Et donc, un peu d'anthropomorphisme ne fait pas forcément de mal, ça nous met sur la voie, sur la piste généralement, de la façon dont on peut étudier les animaux. De la même manière qu'un animal, je vais être frustrée si on me présente de la nourriture que je ne peux pas atteindre. Je vais être jalouse si je vois une donzelle qui tourne un peu trop près de mon conjoint. Donc, tout est affaire de balance en fait, et il faut garder une objectivité, garder à l'esprit en fait des protocoles qui permettent de quantifier les comportements, aller analyser ce qui nous permet réellement de faire la part des choses. Mais un peu d'anthropomorphisme parfois peut aider, en tout cas, à nous donner des idées sur les pistes éventuelles à étudier lorsqu'on veut étudier le comportement et notamment les émotions chez les animaux. Super, merci beaucoup, c'était très clair. On va retenter du coup Thierry, parce qu'on veut savoir ce qui se passe quand on interagit avec des robots. Donc du coup Thierry, je te rappelle, je te redis la question aussi pour nos spectateurs. Qu'est-ce que les neurones miroirs, et est-ce que nos neurones miroirs s'activent de la même façon face à un humain ou face à un robot ? Non. Est-ce que c'est... On t'entend, c'est super. Est-ce que c'est évident ? Non, ils ne s'activent pas de la même manière. Les neurones miroirs répondent avec la proximité anthropomorphique, c'est-à-dire de quelle manière on ressemble au robot,
Et le simple fait que ce soit un robot détruit ou en tout cas réduit le lien physiologique qu'on a tel qu'il est marqué par les neurones miroirs. Donc non, l'activité des régions miroirs, c'est des régions qui sont censées nous mettre en relation avec autrui, est réduite quand la personne qu'on a en face est un robot ou un humanoïde par rapport à une vraie personne telle qu'on pourrait la connaître. Je te remercie. Donc on a plein de questions qui arrivent sur le chat. Merci beaucoup, c'est super. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes super actifs, les spectateurs. Guillaume, j'ai une question pour toi. Y a-t-il une limite fixe entre intelligence émotionnelle et une exacerbation des émotions qui pourraient éventuellement devenir pathologiques? Et j'imagine peut-être tout ça aussi appliqué dans le cadre de la compétition sportive. Oui, alors, il n'y a pas de limite fixe. En fait, on est sur un peu toujours sur le fil du rasoir. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des différences interindividuelles, c'est-à-dire qu'une intensité émotionnelle de colère pour un individu pourra peut-être être facilitante pour sa performance, alors qu'à l'inverse, pour un autre individu, la même intensité émotionnelle sera finalement contre-productive, et donc on parle d'émotions handicapantes pour la perf. Donc ce qui compte, c'est vraiment d'apprendre à se connaître pour être capable d'identifier et de percevoir les émotions, de les discriminer et de les utiliser pour sa performance, mais sa performance personnelle. Donc ce qui peut être valable pour un athlète n'est pas valable pour un autre athlète. Par contre, il existe quand même des lois génériques, on va dire par exemple la loi du U inversé qui est assez connue. Quand on met en relation finalement l'anxiété avec la performance, on aurait un optimum. Donc au début, quand l'anxiété est trop faible, on a un niveau de performance qui est faible. Quand on augmente l'anxiété, ben, finalement ça augmente le niveau de performance jusqu'à un optimum où quand on va encore augmenter l'anxiété, là on aura une anxiété qui sera exacerbée et qui sera trop importante. Mais ce U inversé, la flexion, ou en tout cas le plateau qui nous indique notre meilleure performance, n'est pas au même niveau pour tout le monde, et probablement que ce n'est même pas au même niveau pour un même individu d'une compétition à une autre. Et donc on est vraiment sur une gestion individuelle, et tout l'enjeu finalement pour le préparateur mental, pour l'athlète, pour l'entraîneur, va être d'apprendre à l'athlète à mieux se réguler, à mieux se connaître, pour être capable du coup d'utiliser ses émotions au service de sa performance. Voilà, donc c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'était l'importance du coup des prépas avant du coup et de bien apprendre en amont du coup, de savoir ce qui nous motive, ce qui ne nous motive pas. Oui, voilà, ouais, on peut pas improviser. Et puis même en préparant avant, du coup, l'idée c'est aussi de développer l'autonomie chez l'athlète, c'est-à-dire que ce qu'on essaye d'éviter, c'est vraiment que l'athlète soit dépendant d'un entraîneur ou alors dépendant d'un préparateur mental. Ça du coup, c'est une pratique qui va être contre-productive. Et l'idée, c'est vraiment de rendre l'athlète autonome en apprenant à mieux se connaître, du coup, pour mieux agir, pour mieux interagir et pour mieux performer, on pourrait le dire comme ça. Et donc, du coup, toi, tu t'intéresses particulièrement au domaine du sport, mais j'imagine que ce sont des concepts aussi qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours, dans des situations stressantes, etc. C'est des concepts qu'on peut, du coup, mettre en place Ah ben oui, assez facilement. En fait, même les travaux finalement qui sont menés en psychologie du sport, on trouve souvent leur origine dans une psychologie entre guillemets plus générale, par exemple sur le domaine académique, où du coup les premiers travaux c'était sur test anxiety, donc l'anxiété liée aux tests et aux examens finalement scolaires. Et les stratégies sont les mêmes. Alors au niveau sportif, il y a simplement l'acte moteur qui se rajoute avec la dimension motrice. Mais sinon, d'un point de vue cognitif, on peut avoir les mêmes éléments et les mêmes stratégies qui sont mises en place. Vincent parlait de la mindfulness, par exemple, ça peut être utilisé dans le domaine sportif. Et puis d'autres stratégies aussi comportementales ou cognitives. Merci beaucoup. Il y a encore plein de questions. Je vais sûrement revenir vers toi un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai une autre question pour Vincent. Donc Vincent, la question, donc, quelles sont les causes de l'alexithymie et de l'anhédonie? Est-ce qu'elles sont forcément physiologiques ou est-ce que l'expérience, l'éducation ou peut-être la culture peuvent les déclencher? Alors, c'est une question qui est souvent adressée aux psychologues pour quasiment un petit peu tous les domaines. Alors, concernant le domaine des émotions, et particulièrement l'alexithymie ou l'anhédonie, je dirais en fait que ce qui a été mis en évidence, c'est que très probablement l'alexithymie est une
une stratégie d'adaptation, un mécanisme de défense, plus qu'une stratégie d'adaptation, c'est-à-dire que des enfants qui ont rencontré un environnement qui était extrêmement instable et insécurisant amènent effectivement à mettre à distance, mettre à l'écart les expériences émotionnelles et leur conscience. Il est probable que cet élément-là soit lié à des modifications d'ailleurs au niveau du système nerveux central et que au-delà de ça, il existe également probablement des différences individuelles telles que Jean-Baptiste les a présentées, hein, qui les étudie, c'est-à-dire qu'au niveau effectivement d'une susceptibilité, d'une vulnérabilité vis-à-vis en fait, des expériences émotionnelles, il existe probablement là aussi donc, une combinatoire complexe finalement entre ce qui serait du registre de quelque chose qui pourrait être probablement hérité, voire même lié à des expériences de vie intra-utérine, pourquoi pas. Et puis ensuite, effectivement, des éléments qui sont liés aux contraintes ou aux adaptations nécessaires à l'environnement, et parfois un environnement qui doit être extrêmement délétère pour le sujet. Répondre par oui ou non, c'est plutôt acquis ou plutôt inné, serait pour moi finalement réduire le problème à quelque chose de très très simpliste et la réalité est probablement beaucoup plus complexe et repose sur des interactions très très fines entre un individu, effectivement ses caractéristiques, ses expériences et des contextes de vie, d'ailleurs qui peuvent évoluer, je ne vais pas dire tout au long de la vie, mais en tout cas pendant un temps, certainement assez long. Je te remercie, Vincent. Et alors du coup, ça me fait un peu le lien avec une autre question que j'ai pour Thierry. Donc là, par exemple, on a des problèmes au niveau donc des pathologies qui sont liées à l'émotion. Et est-ce que, donc deux questions en une un peu, est-ce que du coup les robots, ils pourraient reconnaître donc nos émotions, donc que ça soit nos émotions normales, enfin nos émotions classiques ou nos émotions dans le cadre pathologique, est-ce qu'on peut les utiliser dans le cadre du coup de la pathologie? Et du coup, est-ce que eux, à partir des émotions qu'ils nous détectent, ils peuvent apprendre? Ah, Thierry, il faut enlever le mute, s'il te plaît. Pardon. Merci. Désolé. Détecter, encore une fois, et c'est ce que je disais dans la présentation, les machines sont bien plus fortes que les humains à l'arrivée pour détecter des choses très fines dans la manière dont on exprime les émotions, que ce soit dans les mimiques, dans la voix ou quoi que ce soit, les machines peuvent être très fortes. Par contre, pour y réagir et pour y répondre, je ne vois pas encore quoi que ce soit qui fonctionne. Enfin, une approche thérapeutique, une approche médicale ou quelque approche que ce soit, il n'y a pas la réponse. Donc la détection marche extrêmement bien. On peut effectivement déceler les émotions de manière très fine à partir de ce que nous, humains, on exprime, de nos voix, de nos visages, enfin ce que moi je suis en train de faire. Maintenant, savoir comment y répondre et quelle réponse on va y amener, ben, on est encore au milieu du guet. Voilà, on n'est pas encore à l'arrivée d'utiliser ce genre de choses pour améliorer une prise en charge thérapeutique ou autre. Et alors, du coup, autre question d'un de nos spectateurs, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur du développement émotionnel des robots si finalement ils sont, bah, du coup, ils sont programmés par nous-mêmes et que du coup, à tout moment, on peut les mettre hors service? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de ce développement émotionnel? Et un robot muni d'une intelligence artificielle serait-il capable de devenir supérieur à l'homme? Je pense que c'est un peu une question qu'on se pose tous après avoir vu tous les films de science-fiction. Du coup, est-ce que ça pourrait arriver? Deux choses. Normalement, n'importe quel robot d'aujourd'hui, il a toujours un bouton stop. Ça a l'air idiot, mais c'est une réalité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on interagit avec un agent artificiel, il peut se faire arrêter à n'importe quel moment. Est-ce que demain, ces mêmes agents artificiels vont avoir la capacité de... Comment dire ? De nous surpasser, c'est-à-dire en fait d'avoir, le pouvoir sur nous. A priori, c'est aussi idiot que ça, mais l'humanité fait tout pour que ça n'arrive pas. Je ne vais pas dire que ce n'est pas possible potentiellement, parce que les avancées en apprentissage automatique, les avancées en intelligence artificielle sont extrêmement impressionnantes aujourd'hui, mais l'humain, de par l'historique qu'il a fait en science-fiction et en philosophie, a toujours dit on va couper les intelligences artificielles avant même qu'elles soient capables d'intervenir sur notre quotidien. Donc aujourd'hui, on en est là. Merci beaucoup Thierry pour ta réponse. Je vais revenir vers toi Jean-Baptiste. J'ai une question qui peut aussi du coup faire appel un peu à des notions qu'on a entendues dans le discours de Guillaume. Comme quoi, on voit bien que nos cinq chercheurs, même s'ils travaillent dans des domaines différents, il y a quand même des liens évidemment qui se font entre chaque recherche. Et donc Jean-Baptiste, est-ce que l'imagerie mentale et les ancrages sont-ils des outils qui sont susceptibles d'être efficaces pour changer du coup notre circuit de la récompense et notre circuit de la punition? Et peut-être du coup si tu peux donner une petite explication sur l'imagerie mentale et les ancrages pour que tout le monde puisse bien suivre, s'il te plaît. Très bien. Bah, l'imagerie mentale, ça fait partie des petites techniques que l'on peut utiliser. Peut être utile, par exemple, tiens, je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, des activités de psychologie positive qui consistent chaque soir à se remémorer trois événements positifs dans sa journée. Il peut être utile, quand on revit ces événements, d'essayer de les revivre aussi vivement que possible. De s'imaginer, de repenser aux sensations corporelles, de rendre ça aussi vivant que possible. Généralement, pour aider la personne, on l'amène à se poser des questions du type quand, où, avec quelle personne, est-ce que j'ai été entouré, les sensations corporelles, c'est où dans mon corps, des choses comme ça. Et donc, on rend à nouveau l'événement aussi vif que possible pour générer autant d'émotions que possible. Des pensées positives, qu'elles soient sous la forme verbale ou sur la forme d'image, s'accompagnent d'émotions positives, de même que des pensées négatives, quand elles sont sous la forme verbale ou sous la forme d'image, s'accompagnent d'émotions positives. Et en augmentant, en réentraînant l'attention de la personne, la mémoire de la personne, en fait le fonctionnement cognitif de la personne, vers des pensées plus positives ou moins négatives, on peut finir par créer des changements un peu durables dans son fonctionnement psychologique, avoir une mémoire, une anticipation, une manière d'interpréter les événements de sa vie plus positifs et ou moins négatifs, et donc s'accompagnant des changements dans les émotions. Donc l'imagerie mentale fait partie des éléments qu'on a, mais parmi tellement d'autres. De s'imaginer dans le futur des événements positifs, repenser à des événements positifs, repenser à des événements négatifs, mais en se demandant ce qu'ils nous ont apporté. Enfin, les techniques ne manquent pas, et l'imagerie, comme toutes les techniques qui portent sur les pensées, ont un effet très direct en fait sur nos émotions. Super, merci beaucoup. Du coup, Guillaume, est-ce que du coup, tous ces outils-là que Jean-Baptiste vient d'expliquer, est-ce que du coup, ce sont ceux qui sont utilisés par les athlètes? Est-ce que tu peux nous donner deux, trois techniques, comment les athlètes font pour utiliser ces émotions, améliorer leur performance? C'est quoi leur secret, quoi, du coup, à ce niveau-là? Ouais. Alors effectivement, les techniques données par Jean-Baptiste sont utilisées aussi par les athlètes, sachant que les athlètes, du coup, ils vont avoir pour objectif d'optimiser la performance, mais aussi le quotidien de l'entraînement.
Donc pour optimiser le quotidien de l'entraînement, finalement, bah, c'est les mêmes techniques qui peuvent être utilisées que pour d'autres individus. Après, ce qui convient, ce qu'il est important de différencier, c'est bien les techniques des processus psychologiques sous-jacents. Du coup, une technique peut développer plusieurs types de processus psychologiques. On peut travailler sur les dynamiques émotionnelles, les dynamiques motivationnelles, sur la confiance en soi, par exemple, avec l'imagerie mentale. Donc tout dépend le rôle qu'on veut lui donner. Et après, on a plein de techniques à notre disposition. Souvent, les quatre premiers piliers, en tout cas les techniques qui sont les plus utilisées à l'heure actuelle en préparation mentale, il y a donc l'imagerie mentale, mais il y a aussi la relaxation. Il y a tout ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle le contrôle du dialogue interne. Et puis la fixation. Techniques qui arrivent avec la méditation de pleine conscience, mindfulness, les techniques de concentration aussi. Donc le panel est finalement assez vaste. Et après, finalement, ce qui importe, c'est plutôt d'identifier le diagnostic qui est fait en amont. Quelle serait la meilleure technique pour répondre à la problématique qui est rencontrée par l'athlète? Moi, je suis assez réticent. Enfin, quand je dis moi, c'est y a pas que moi, mais du coup, les chercheurs d'un point de vue général sont assez réticents pour dire que, par exemple, une technique serait idéale pour tous les athlètes dans tous les contextes. Dire par exemple on va prendre un sophrologue et on va appliquer ça à tout le monde et à tous les athlètes, bah, on sait que c'est pas le plus efficace. Ce qui est efficace, c'est finalement, bah, comme Vincent le disait, une interaction entre un individu et son environnement pour optimiser aussi bien la technique que les processus psychologiques. Voilà, j'espère avoir répondu. Je te remercie. J'ai une question pour Laure. Donc on l'a compris, les humains, on a conscience de nos émotions et nous, on peut du coup les utiliser pour s'améliorer au maximum. Mais est-ce que du coup les animaux, donc bien qu'on ne connaisse pas forcément leurs émotions et qu'on n'arrive pas forcément à les détecter, est-ce qu'on sait si les animaux ont conscience de leurs propres émotions? Alors, c'est une question qui est, encore une fois, joliment posée, facilement posée, mais c'est difficile d'y répondre. En fait, on a un petit peu des éléments pour dire quelles sont les émotions des animaux, bien évidemment. Mais la question là, de savoir s'ils en ont conscience, en fait, c'est une question plus large qui renvoie à la question de la métacognition. Donc, c'est-à-dire, on a notre cognition de base, nos propres pensées, nos perceptions, nos états mentaux. Et puis ensuite, il y a ce qu'on peut dire de ces états mentaux. Par exemple, si vous me posez une question, je sais que je sais, ou alors je sais que je ne sais pas. Et là, c'est la même logique en fait avec les émotions. Nous, on est capable, dans une certaine mesure, de dire l'émotion qu'on ressent et d'en dire quelque chose. Les animaux, on n'a pas accès à ça. Et les animaux non humains, mais aussi les animaux humains lorsqu'ils n'ont pas accès au langage. C'est une grosse difficulté qu'on rencontre chez les bébés. Chez les personnes qui ne sont pas verbales, etc. Donc, dès qu'on sort du langage, c'est difficile d'avoir une idée de la conscience et de la métacognition. Il y a quelques petites choses, quelques petites pistes en fait, qu'on peut essayer de suivre pour comprendre comment les animaux se représentent les émotions des autres. Alors, des autres, ce serait plutôt dans leur propre espèce, par exemple. Donc comme on ne peut pas avoir accès à leur langage et à leur ressenti émotionnel, on peut voir comment au moins ils réagissent aux émotions des autres. C'est-à-dire pour voir si eux ont conscience que les autres individus ont une émotion. Et alors j'ai pas énormément d'exemples en tête, mais par exemple, il y a des travaux qui montrent que chez les pigeons, il y a une réaction à la souffrance de d'autres pigeons en fait, donc de leurs congénères. Et en fait, on peut conditionner un pigeon à partir de pigeon. Donc on peut faire cesser un comportement chez un pigeon. Qui sont montrés qu'il y a certaines prises en compte de l'émotion. Je ne sais pas si ça répond entièrement à la question. Ça me fait penser, c'est un peu comme les expériences qui avaient été faites chez les rongeurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose avec un rat qui était prisonnier et un autre rat qui préférait délivrer son congénère plutôt que d'obtenir sa récompense. Donc, ils avaient parlé d'empathie chez cet animal-là. Mais, oui, en fait, Non, mais c'est bon, c'est pour rebondir. Super, merci beaucoup.
J'ai une question pour Thierry, et après j'aurai une autre question pour Vincent. Du coup, Thierry, quel est l'intérêt, en gros, de développer... y a-t-il un intérêt dans la tentative de recréer ces émotions, du coup, chez nos robots? Quel pourrait être l'intérêt de tout ça? A priori, l'intérêt, c'est que ces robots, on pense qu'ils vont devenir nos interlocuteurs au quotidien. Et moi, c'est vrai que c'est ma recherche, c'est mon travail de recherche. C'est-à-dire que est-ce que ces robots vont devenir des interlocuteurs du quotidien? Et est-ce qu'il suffit de leur mettre des émotions pour qu'ils deviennent ces interlocuteurs? Moi, c'est un peu la question que je me pose dans mes recherches. Et avant même de leur donner toutes ces émotions, je me pose la question de est-ce que ces émotions suffiront à les rendre acceptables comme des personnes avec lesquelles on a envie de discuter, quoi. Simplement. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Vincent, j'ai une question pour toi. Donc, tu nous as expliqué que les personnes atteintes d'alexithymie ont du mal à communiquer leurs émotions. Du coup, est-ce qu'elles trouvent des alternatives pour pouvoir communiquer leurs émotions? Elles trouvent des alternatives souvent très difficilement. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est le corps, je pourrais le dire généralement, qui parle à la place du langage, entre guillemets, et où bien souvent ce sont des personnes, c'est ce que les travaux de recherche ont mis en évidence, c'est-à-dire qu'elles vont être débordées très généralement par des manifestations neurovégétatives. Par exemple, effectivement, on parlait tout à l'heure de performance, alors ça garde un petit peu de la question de la psychopathologie, mais quelqu'un qui a par exemple une anxiété de performance, et qui va avoir un niveau élevé d'alexithymie, eh bien, au lieu d'être en capacité de dire « voilà, j'ai très très peur parce qu'il va falloir que je fasse telle et telle chose », eh bien, il va ressentir effectivement une oppression dans la poitrine, il va se mettre à suer, à transpirer, devenir tout rouge, etc. Et effectivement, être là mis en difficulté par ce trop-plein d'émotions, hein. La peur, par exemple, face à quelque chose, face à un contexte particulier, et qui peut se rigidifier, par exemple, dans les phobies. Hein, par exemple, les anxiétés de performance ou les phobies sociales, notamment, peuvent être considérées comme une sorte de rigidification de ce mode de fonctionnement. Et par ailleurs, on va retrouver une façon de faire avec ou faire face à l'alexithymie, notamment lorsque le sujet va avoir recours à un comportement, justement, parce qu'il va essayer par là de permettre au corps de diffuser, je pourrais dire comme ça, le trop-plein d'émotions. Ça pourra être, par exemple, lorsque le sujet va s'engager dans des sports à risque, par exemple. C'est pas la seule explication, mais voilà, certaines pratiques de sports à risque permettent au sujet de trouver une issue adaptative à cela, à ce fonctionnement-là. Et puis, évidemment, comme je le disais tout à l'heure lors de mon intervention, eh bien, les produits ou certains comportements, les achats compulsifs, le jeu pathologique, la consommation de certains produits, vont permettre au sujet, effectivement, par la voie corporelle, de substituer des sensations et de trouver une issue, finalement, à ce fonctionnement alexithymique, qui, en fait, joue probablement, c'est démontré, comme une sorte de défense, un évitement de la pensée émotionnelle. Je te remercie. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire là-dessus. Merci beaucoup pour ces explications. J'ai encore une question pour Jean-Baptiste. On a essayé de... vous êtes plusieurs à vous poser la question, donc j'ai essayé de résumer un peu. Donc Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fait qu'une personne soit introvertie alors qu'une autre est extravertie? Et est-ce que quelque chose a pu le... Enfin, qu'est-ce qui a pu déterminer ça? Ou alors est-ce que ça s'est développé par la suite? C'est la fameuse question des causes, hein, dont Vincent parlait tout à l'heure et dont il disait qu'elle nous est souvent posée. Déjà, on remarque que chez les jumeaux monozygotes, ceux qui partagent 100% de leur patrimoine génétique, les vrais jumeaux, eh bien, la ressemblance en termes d'extraversion ou en termes de névrosis, d'instabilité émotionnelle, est plus forte que chez les autres frères, même chez les jumeaux dizygotes, ceux qui partagent juste 50% de leur patrimoine génétique.
Et sur la base de ces études entre jumeaux, on arrive généralement à établir qu'il y a à peu près 50% des différences entre les personnes dans leur extraversion ou dans leur névrosisme qui est déterminée par leur patrimoine génétique. Mais, comme je disais à la fin de mon intervention, il y a tout un tas de facteurs de risque et de protection dans le développement de ces troubles de la personnalité. Il y a beaucoup de choses dans notre environnement qui peuvent jouer dessus. Et généralement, il y a à ce sujet absolument rien de révolutionnaire. C'est-à-dire que des expériences de vie négative nous amènent à nous méfier de notre environnement, nous amènent à craindre la survenue de punitions, à craindre la survenue de menaces, des rejets, de la maltraitance. De l'abandon, des choses comme ça. Mais n'importe quel événement négatif, s'il se répète, nous amène à craindre la survenue imminente prochaine d'un nouvel événement négatif. Et de même, des événements plus positifs se peuvent être n'importe quoi. Je prenais dans mon exemple d'intervention l'exemple de camarades de classe. Mais ça peut être plein d'autres choses, des relations chaleureuses avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Eh bien, quand ils surviennent, à nous amener à penser que le monde est comme ça et à nous amener à anticiper la survenue de plus d'événements positifs, cette fois-ci dans le futur. Et s'il y a quand même un type d'événement auquel on apporte un poids plus important que les autres, c'est les événements précoces, parce que c'est ceux qui ont le plus d'effet sur nos croyances sur le monde, sur la manière dont on pense que le monde va fonctionner, dont on pense que la manière dont on s'imagine qu'il va y avoir des événements positifs et des événements négatifs qui vont nous arriver dans le futur. Mais les événements qui se répètent beaucoup aussi, c'est important sur nos anticipations d'événements futurs. Donc voilà, 50% de gènes, et puis le reste, c'est notre histoire de vécu d'événements positifs et d'événements négatifs qui nous amène à croire que le monde fonctionne de telle ou telle manière et, entre autres choses, à anticiper dans notre futur la survenue plutôt d'événements positifs ou d'événements négatifs. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Notre soirée est bientôt à sa fin. On a encore deux petites questions. Donc la première pour Guillaume et puis la dernière question de la soirée sera pour Julie. Tout le monde a bien muté son son, oui. Alors, pour Guillaume, donc j'ai une question concernant le dopage. On sait que le dopage, du coup, ça modifie nos capacités physiques. Est-ce que ça peut aussi avoir une incidence au niveau de l'émotion des sportifs ? Alors, ça va avoir une incidence au niveau de l'émotion des sportifs, mais ça va être beaucoup plus difficilement contrôlable que l'effet physique. À ma connaissance, il n'existe pas vraiment de dopant qui serait utilisé à coup sûr pour optimiser les performances d'un point de vue émotionnel. Après, par contre, on a des témoignages assez cocasses des fois qui se rapprochent des travaux de Vincent. Par exemple, on sait qu'un joueur de tennis de table très très fort, Malong, qui est numéro un mondial et qui avait du mal à passer au titre mondial et être champion olympique, a expliqué à un moment donné qu'il buvait un verre d'alcool avant de démarrer une compétition très importante. Donc voilà, il ne va pas utiliser des stratégies bien différentes que Monsieur Lambda et Monsieur Tout-le-Monde qui est dans son canapé après une journée de travail et qui a envie de savourer ou alors d'empêcher. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que en termes de dopants, les dopants sont probablement utilisés pour optimiser les performances physiques, mais à ma connaissance, pour optimiser les performances mentales, c'est plus compliqué sur la gestion des émotions. À ma connaissance, ça n'existe pas. Il peut en exister pour développer la concentration, par exemple, des choses de ce type-là. Mais sur les émotions, j'en connais pas. Le mieux est de travailler en préparation mentale pour optimiser. Là, du coup, il n'y a pas vraiment de dopage derrière. C'est ce que j'allais dire. Du coup, on est obligé de pas tricher, beaucoup mieux. Voilà. La dernière question de la soirée pour Julie. Donc Julie, quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour mesurer les émotions et du coup pour mesurer aussi les émotions des animaux ? Alors, je peux répondre en partie pour les émotions chez l'animal. Déjà, il y a plusieurs composantes qui décrivent les émotions chez l'animal. Donc, il y a la composante subjective, c'est-à-dire ce que l'individu va ressentir. Si on n'a pas forcément accès chez l'animal, puisque l'animal ne peut pas nous décrire ce qu'il ressent. Hormis quelques animaux
arrive parfois à communiquer avec nous. Sinon, on a plutôt accès à la composante motrice, c'est-à-dire ce que l'individu va montrer aux autres, et à la composante physiologique, c'est-à-dire tous les changements qui vont se faire dans son corps, comme les hormones, une modification de l'organisme, enfin des excitations dans le cerveau, etc. Donc pour ce qui est de la composante physiologique, on peut le suivre de façon plus ou moins invasive avec des IRM, des mesures hormonales comme je vous le disais, par exemple de cortisol. On sait que les taux de cortisol sont élevés lorsqu'un animal est stressé. Pour ce qui est de la composante motrice, c'est complètement l'histoire de l'éthologie, puisque en fait on va aller étudier le comportement des animaux et plus précisément aller essayer de quantifier leur comportement dans tel ou tel contexte. Par exemple, on sait que chez des animaux stressés, on va avoir plus souvent l'émergence de comportements que l'on dit stéréotypés. Typiquement, c'est ce qu'on retrouve lorsqu'on voit les éléphants qui font des sortes de balancements dans les parcs lorsqu'ils s'ennuient, ou d'autres animaux aussi parfois que l'on peut voir tourner en rond tandis qu'ils font des coulées, ils passent toujours au même endroit. Donc tous ces comportements-là vont surtout nous informer sur les états émotionnels plutôt négatifs, l'anxiété, le stress, l'ennui. Et donc ce qui est très important dans cette étude du comportement, en fait, c'est que plus on s'attache à une espèce en fait, dont on connaît déjà le répertoire comportemental, c'est-à-dire l'expression générale de ses comportements dans un contexte neutre ou plutôt positif, négatif, etc., plus on sera à même d'étudier cette espèce. Et c'est notamment ce à quoi elle faisait référence dans son texte. Plus on connaît un animal dans son comportement, dans son équipement sensoriel, plus on sera à même d'étudier ses émotions et le reste de son comportement d'ailleurs. Merci beaucoup Julie. Du coup, notre événement touche à sa fin. Merci beaucoup à déjà tous nos intervenants qui ont fait vraiment un super boulot et qui du coup nous ont fait passer une super soirée. Merci beaucoup à vous, tous les spectateurs. Vous avez été vraiment très nombreux à vous connecter. Vous avez posé énormément de questions, des questions vraiment super intéressantes qui, je pense, ont challengé nos intervenants. Donc vraiment un grand merci, ça fait vraiment plaisir. Merci également à toute l'équipe d'organisation des NeuroStories, François Ferron, Anne-Marie François Bélan, Camille Grasso. Laurie Arnaud. Merci également à Olivier Chabrol qui nous a aidés tout au long de la préparation de l'événement pour la prise de parole des speakers et moi-même. Merci à toute l'équipe de captation et du live d'Aix-Marseille Université. Et un grand merci aussi à Alexia Belleville-Perronnet. Je vous remercie beaucoup, à bientôt.